trop occupé à nommer mes canards que j'en ai presque oublié qu'il allait être temps. J'espère que tout le monde y va bien. Bonsoir tout le monde, salut Rémi Silvergold, salut Lucky, on se voit tout à l'heure pendant le jeu, salut Lupina, mais bon en même temps on se voit tous les jours donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de se dire bonjour et à tout de suite Roger, je vais vous rejoindre incessamment sous peu, il nous manque quelqu'un, il nous manque Golden mais il est parti manger et je vais dire bonjour à mes joueurs, Oh, mais de l'alcool. Quoi, vous bonsoir! allez désinfecter ma blessure? Non, il faut que je boive. Bonsoir! Salut. Bonsoir. Salut. Alors j'espère que le son n'est pas trop fort, j'ai bidouillé un petit peu mon casque tout à l'heure. Faudra me Ça va dire très très bien. loin. Il y a Non pas de mais musique dans le. c'est pas vous, c'est. En fait, je vous entends super fort Twitch. pas. Salut Twitch. Salut Twitch! En fait, je vais baisser. Ça m'a niqué. Ça m'a niqué toutes mes options, ce que j'ai mis en Bah place. bien, bien joué. Je pense qu'il va falloir que je mette mon casque à Oui, je te 10%. vois là, maintenant que je sais que tu acceptes la nudité. Hein? Toi, le nu. Parce que oui, si vous Ouais. n'êtes pas au courant, maintenant Twitch accepte la nudité sous certains critères. Ah, c'est Ouais, tu peux super être à ça intéressant. nu tant que tu ne vois pas les tétons. Mais alors, du coup, comme je Je disais, comprends est-ce que les rien. couilles, c'est les tétons de la bite? Les tétons de la bite. Yes. Mais du Tu coup, la vois, question Ren, que du je coup, me pose, c'est si tu moi je peux monte faire mes tes. tétons. Mais du coup, Ren, tu peux faire des streams. Tu peux faire des streams 18+. Yes, bah de toute façon il est déjà en 18+ mon stream donc bon. Oui, mais C'est 18 plus ballot. plus. Mais du coup si je monte mes tétés, est-ce que je suis ban? Si, tu peux! Maintenant. Ah, donc Les les. tétons mâles, c'est autorisé, c'est ceux des femelles qui sont pas autorisés. C'est bizarre ce que Yes. j'ai dit. Comme sur Tinder, ouais. Et les gens qui sont non-binaires alors? Ah, ben là, il y a des problèmes, hein. Bah, Bah, ça ça compte pas. Et oui, ça compte pas. Ils ont pas dit non mâle, ils ont dit femelle. Donc, De toute façon, ah! techniquement, le souci, c'est. Oh, bon, j'ai pas spécialement envie de lancer le débat, mais le souci, c'est pas le TT, c'est le boobies entier. Mais il faut voir le boobies pour voir le tété. Ah oui, mais c'est tout le Bah boobies entier. Je veux dire, forcément. mettre du scotch sur les tétés, ça ne Mais est-ce sert à qu'on a le rien. droit de montrer notre popo? Est-ce qu'on a le droit de montrer le cucu? Je sais même pas s'il y a un réel souci avec tout ça, mais je pense qu'on devrait plutôt jouer. Ouais. Bah, en fait, on attend le petit dernier, le Bah, petit il faudrait golden peut-être qui devenir vient de manger. intelligent. C'est surtout ça. Parfois, attends, mais toi, le rematch! Bah tant mieux. Parce que j'ai des grosses cartes Parce à que depuis faire. tout à l'heure, en fait, je vous entends pas. Hein. Ah yes, parce que j'ai des grosses Ah merde, cartes à c'est faire encore pire. charger, peut-être pas aujourd'hui, cela dit, mais. Bah, du coup, j'en ai profité pour faire mon level up que j'avais pas fait la dernière fois, que j'avais pas encore. Tu Que fais j'avais à peine de refaire. 4598 MS. Combien? Oh. Non, mais il y a un nouveau truc qui est tombé de Twitch aujourd'hui. Et maintenant, on peut faire plein de trucs sur Twitch. Mais il faut que ça rentre dans des critères artistiques. C'est ce qu'on était en train de dire, on peut montrer les tétés. Enfin, non, c'est les tétés qu'il faut pas montrer, mais le boobies. Si tu montres le boobies, faut mettre le scotch. Alors non, justement, ça a Non. changé. Maintenant, tu peux montrer le tété entier, des couilles, des culs, des chattes, mais faut que ce soit dans un hors-champ. Un Dans un but artistique. C'est artistique. tombé là il y a 2 heures, même pas. Aïe, aïe, aïe. Merde, mais j'ai même pas à Du couper mon truc des dessin ou de canards, il l'animation continue 3D. de canarder. À part, il a cru Alors de quoi ça il parle ma a cru chérie? qu'il était Ça encore parle que minitel. maintenant on a le droit de montrer les tétés, le cucu et la bibite à Twitch. Mais Mais ça doit uniquement être sous hors champ. couverture de l'art. Tu peux montrer si c'est hors champ, bah techniquement. C'est pas faux. Ah ouais, je sais Imagine, pas. tu montres juste le bord du bord, juste pour pas qu'on voie plus. Macoa! La connexion. Un qui a dit, bah, il y a un, bah, deux déjà, et puis ensuite, puis ensuite, bah oui, apparemment, il y a les nouvelles règles Twitch qui sont tombées, c'est beaucoup plus laxiste sur le cucu. Je vais encore parler de ça longtemps. Non, mais c'est Loupi qui avait pas l'air d'être là au moment où on en parlait. Alors, je rejoins sur iPad pour. En fait, c'est hors champ, mais pas trop hors champ. En fait, ce qu'il faut Non, comprendre, c'est que, imaginez, ça a la changé, caméra Roger. s'arrête à la limite de la Non, limite, et bien ça a ça, c'est changé, autorisé. Roger. Ça a changé. Maintenant, Ah. grossièrement, tu peux tout voir, même une personne entièrement à poil, à condition que ça rentre dans les dans du de l'artistique Ouais, le ou paint de body, là. l'animation 3D ou autre. Ouais, le paint body. Enfin, le body paint.
Ça me fait penser à DeviantArt qui te dit non, mais nous on veut pas voir de cul, mais qui te propose quand même une option quand tu postes tes arts explicites, sexuels. Mm. J'ai posté un truc dans le salon Discord. C'est directement pris du site de Twitch sur leur dernier article sur la sur le contenu sexuel. Contenu auparavant interdit mais désormais autorisé avec un descripteur. Les contenus qui mettent délibérément en évidence les seins et les fesses ou la région pelvienne, même quand le sujet est habillé. Les streamers avaient du mal à distinguer ce qui était interdit, ce qui était autorisé, et déterminer si un stream enfreignait ou non cette partie de la politique qui était souvent subjective. Par ailleurs, l'ancienne politique relative au contenu de caractère sexuel suggestif n'était pas conforme aux normes du secteur et pénalisait de manière disproportionnée les streamers. Même les striptease maintenant sont autorisés. Ah ouais, non mais ok, ils ont complètement fait quoi. I'm d'accord. Back, bitches. Non, parce qu'elle a lancé son truc maintenant, je sais plus ce qu'elle fait, mais elle fait son truc de son côté maintenant. Bon, bah, ghost prostituée sur Twitch, hein, écoute. C'est ça. L'écriture corporelle. L'écriture corporelle sur les fesses et ou seins féminins, quel que soit le genre, est autorisée. Les seins ou les fesses, quel que soit le genre. J'essaie d'insulter Golden, mais ça marche pas. Bandit. Il est un bandit. Il a dit qu'il mangeait, il a un petit peu de retard, c'est tout. Eh ben mange tes morts. Eh ben mange tes morts. En attendant, regardez ce magnifique petit chat, là. Et si on monte le cucu du chacha? Bah c'est bon. C'est bon, il est poli. Non, tout est caché. On va montrer le trou du chat. En fait, c'est ça. En fait, tu peux mettre des trucs à caractère sexuel tant que c'est de l'art et tant que tu le décris. Enfin, genre tant que tu as mis dans ta description de stream thème sexuel. Oui, ouais, en fait, il faut que ce soit en 18+. Et en 18+, c'est ok. Hein. Moi, je m'en fous. Alors déjà de 1, toutes les misto Twitch là, les Twitch-to, elles vont s'en donner à cœur joie. Ah bah, elles vont retirer des barbeurs. Elles ont raison, hein, Et par contre, ça peut être intéressant sur un point où ça peut donner peut-être de la visibilité à des artistes. Ah, mais aussi aux jeux vidéo. Jeux vidéo où tu vois j'avoue que par contre, si on n'est plus obligé de mettre une fenêtre devant les tétés sur Cyberpunk, là, par exemple, j'avoue que là, il y a... Merde, y a pas d'autre. Baldur's Gate. Merde, comment il s'appelle le jeu où il baise un frigo? Quoi? Atomic Heart. Quoi? Ah non, c'est le frigo qui essaye de le baiser. Quoi? Mais comment? Grossièrement, c'est ton menu d'upgrade. Mais... C'est juste un frigo d'info qui essaye de te baiser. Ah bah oui, c'est dans le jeu russe là. Oui, Atomic Heart. Ouais. Ok. Avec les rouges, ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça. Oui, je me rappelle. Mais c'est pas un frigo, c'est un distributeur. Ouais, même merde, le truc il est rose. Il essaye à chaque fois de te coucher avec toi. Il fait qu'est-ce que tu es bon aujourd'hui. Rémi Silvergold qui me dit allez, go jouer à Adipou en mettant du 18+ sur Twitch. Juste au cas où. les mecs, tu sais, ils sont perturbés quand ils sont devant le stream. T'sais. Attends, c'est un fan ou c'est. Ce... Attends. Tu sais cuire ou pas là? Oh, cette bonne grosse tarte! Oh god. T'es enfin, tu sais, si tu mets du Adibou, il y a peut-être des gens qui vont se ramener en mode. Ah oh, oui! Ça a même pas encore commencé. Pour Adibou, hein. Ça a même pas encore commencé que Rémi Silvergold donne déjà un béni à quelqu'un. Bon. Alors, du coup, les couilles, c'est les de la bite ou pas alors? C'est autorisé. Il a fallu que touche pas. Il a fallu que ça donne le béni à l'absent. Ah. Au retardataire. Alors déjà qu'en plus, l'autre fois, l'absent en question, la dernière fois, il avait utilisé des points qui a cassé nos bénis. Et en plus, il se gagne. Non mais sérieux, ça va là. Non mais. Moi, je vais commencer à devenir fada.
Complètement fada. Complètement. De toute façon, Golden, c'est une cagole. Moi, je te le dis. Une cagole. Complètement fada. Coquine de soir. Bah pour la peine, ce sera lui qui fera les résumés, voilà. Non, mais ouais. En vrai, de vrai, moi, ça me gêne pas. En vrai, s'ils autorisent du coup et que ce soit en 18+, ouais, je trouve que tant mieux d'un côté. Écoute. Avec pour moi, ça officialise le truc et puis ils arrêtent de tourner autour du pot, quoi. Ouais, bah, comme disait Lupi, au moins maintenant, ils sont égalitaires. Et on va peut-être on va changer de sujet parce que maintenant que Goldway. Ah, ça y est, t'es enfin là. Goldway, là. C'est pas trop tôt. Ça fait une heure qu'on t'attend. Ça fait, c'est pas une heure, menteur. Ça fait depuis lundi qu'on t'attend. Ça fait une heure moins trois quarts. Bien, messieurs. Messieurs, Golden va nous faire un résumé en plus d'avoir gagné son béni par Silver Gold. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de madame dans le groupe. Bah si. Non mais en tant que joueur. Non, il juste pas assume. C'est sexiste. Allez, c'est à toi, Golden. On est sorti du train et on est allé chez les improvants et puis on est sorti. Waouh, super résumé. Ta 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 ta. On dit tout le temps que je résume, que je mets trop de détails, mais là j'ai résumé. Ouais, mais là il est question quand même d'habiller un petit peu là. On est allé dans une grotte, on a parlé à un mec chelou, on est allé dans sa cave, on en est sorti, on est rentré chez nous. Il y a un monsieur bizarre, il vous a invité dans sa cave. C'est ça, ouais. Ça. Et il voulait, et je sais pas pourquoi, il a essayé plusieurs fois de me scier la jambe. Pas qu'à toi. Il voulait ma jambe, oui. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il parce est fait. Parce qu'il s'est dit, une cuisse de poulet, ça doit être bon. Hein. Il a regardé ta jambe, ce fils. Mais ça marche plus de toute façon. Vite, 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 vite. Ouais. J'en ai besoin. Bah, tu voles. Oui, j'avoue, t'en as même pas besoin. Après, voler, je crois que c'est comme courir pour eux, donc c'est aussi fatigant, quoi. Ils volent avec ses pieds. Ouais, mais toi, t'as pas besoin de ta tête, donc bon, vu que tu réfléchis pas avec, donc... Si, j'ai besoin de ma tête, j'ai besoin de boire, désolé. J'ai juste besoin de ta bouche. J'ai juste besoin de la bouche, il faudrait juste la bouche et le reste. La bouche, c'est bon. C'est ça, la bouche et le ventre. C'est ça, t'as besoin de rien d'autre, donc... En fait, limite, on peut te faire comme le poulet, là, qui a survécu sans sa tête, parce qu'après, tu peux toujours mettre un entonnoir. Bien, on s'éloigne un petit peu, messieurs, on attendait toujours le résumé. Bah, il est fait. Non, mais un résumé plus construit, monsieur. On est allé chez les improvants, et comme pour éviter d'avoir des soucis, on s'est fait passer pour les esclaves de Myrtille. Il s'est passé des choses. Il s'est passé surtout environ 3 semaines. Hein. C'est ça, on a fait l'arbin un petit peu. Parce qu'on s'est reposé, parce qu'on était tous... On était tous un peu amochés de diverses manières. Moi, je me suis réparé, vous êtes soigné. Ouais. Puis on a enfin pu partir et trouver un moyen de rentrer au bateau sans avoir la marée chaussée qui nous tombe dessus. Ouais. C'est pour ça, en fait, on a attendu, on s'est dit, tant qu'à se soigner, autant être caché. Parce qu'on s'est dit, comme ça, ils vont élargir leur seuil de recherche alors qu'on est juste à côté de notre braquage. Techniquement, on est genre à une centaine, même pas une cinquantaine de kilomètres du braquage du lieu qu'on a fait. On était on juste à côté. En mode, coucou, on a les gens de la prime, c'est nous. Voilà, et là, du coup, on est en train de ramener l'émeraude qu'on avait volée à Ketnis, qui était notre commanditaire pour cette mission. Et on va enfin être riche. On l'a vendu d'ailleurs. On l'a déjà vendu. Déjà rapporté à Ketnis. On est minimum à D8. C'est ça, on est tous remontés à D8. Sauf, je crois, Nakai, je crois qu'il y a D8 plus 2. 4, me semble. Quoi. Plus 2, je crois que j'avais. C'est ça. Hein. Je crois que c'était plus 2. Hein. Parce que s'il y en avait un qui était à plus 4, c'était plus 1. Et ceux qui étaient fauchés, bah, c'était. Ouais, moi j'étais à. Comment ? Moi je me suis mis à 8 plus 1 en tout cas. Mais moi j'étais déjà parce à, que plus étais à D6 de base en fait. Je sais plus. Oui, je suis à de l'argent, je oui, suis oui, riche. T'étais à D6. T'étais à D6, je me rappelle. Je suis à D8 plus 2. Je suis riche. Et donc là, on peut se refaire du stuff. Ou peut-être... Ah, mais c'est vrai, on en fait quoi alors de ce mec-là? Bah, c'est la première fois que j'ai proposé de le tuer. Hein. On avait dit qu'on essaierait de parlementer pour qu'il puisse recruter ses potes pour nous. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ce truc-là.
Et moi, j'ai proposé plusieurs c'est fois. C'est vrai que vous lui faites toujours confiance. Ouais, qu'il voulait vous proposer de rencontrer ses camarades. Afin de mettre une dague dans le dos. On le dans le groupe tous. De 5, on est 2 à dire ouais, on le tue. Vous êtes 3 à dire ouais, non, on le garde. Enfin, moi, je suis ça pas pour qu'à vraiment la fin, le tuer, il mais mette pour un moi, le lâcher. Dans quoi. Le dos. Pour moi, je veux vraiment qu'il se barre, quoi. Enfin, bon, bref. Je veux pas forcément le tuer, c'est vraiment juste je veux qu'il se barre, mais bon, apparemment les gens veulent le garder donc. Ils Ouf, veulent leur. C'est Naka, il veut son animal de compagnie. Eh, j'ai trouvé ton reroll, Roger, parce que si tu le touches, je te tue, et bah tu le joueras derrière. Écoute, ça me fera un autre style de jeu. Naka, il en est tombé amoureux, voilà. En fait, ce qui nous arrive. La dernière fois dans les cartes, j'ai chopé penchant amoureux. J'ai décidé d'utiliser sur ce rouquin. Quoi, il a vraiment, il a vraiment non, chopé non. penchant amoureux. Vous l'avez... Non. Le sacrinière roux, ça. À savoir que le penchant amoureux, j'ai le droit de les refuser. Mais après, je le dis pas ils ont réussi ou pas. Genre, tu me le refuserais. Allez, un petit téléchute de cahier le roquemout. La cahier le roquemout. Go faire des fanfictions. Oh mon dieu! Naka eu le barra avec le fanboy Rookmoot! Ah. Ils vont créer les hooters. Ah, c'est Queen qui devrait être en sueur! Voilà. Oh mon dieu! Mais oh. on peut commencer déjà. Parce que Katniss, du coup, elle avait des informations après à nous redonner pour certains d'entre nous quand t'avais dit que c'était pour la prochaine session. Je réfléchissais pour à savoir qu'est-ce que je pouvais donner comme info, et normalement c'est bon, c'est réfléchi, j'ai mes petites notes. Parce que moi j'allais demander pour mon loan key, hein, comme d'habitude, mais je crois qu'elle n'a toujours pas. Je crois qu'elle en a marre que tu lui demandes. Ah mais je serai insistant jusqu'au bout. Elle... Bon, quand vous irez voir Katniss, au sujet du loan key que Roger cherche, le souci c'est que elle cherche, mais elle n'a aucune piste. Donc ah oui, d'accord. C'est assez difficile... pour elle de chercher, vu qu'il y a zéro piste. Même pas de signe de piste de kidnapping en, comment dire, en masse. Non, elle a zéro indice. Ok. Mm-hmm. Ouais, Katniss, je l'avais parlé de je lui ai raconté tout ce que le gars m'avait dit. Je pense. Quand on était encore en cellule. Je lui avais raconté les détails. Alors, rafraîchis-moi les détails exacts. Elle avait dit que, enfin, le gars avait dit, attends que je ressorte mes notes, notes des joueurs, j'avais noté ça, que Leslie, qui est donc une humaine brune avec une balafre au visage, elle a été vendue à une famille noble et profondeur, des profondeurs ouest, donc une famille en Provence. Famille a été attaquée et a été massacrée dans le raid qu'il y a eu il y a 5 ans. Et elle a dit au vieux qui était avec nous que elle a fait allusion à un groupe qui était assez influent qui pourrait la faire sortir. Et il l'a plus jamais revue. Et il l'a plus jamais revue. Et je sais pas. Et ça fait pas mal de temps que... Putain, j'ai pas noté la date de quand elle était venue, mais il me semble qu'il l'avait dit que ça faisait plusieurs années qu'il l'avait pas vue. En tout cas, ça fait au moins... Ça fait une bonne paire de temps. Je crois que j'avais... Bah oui, cela dit, il l'avait pas vue depuis mais dans un tous moment, les cas, il avait aucune notion du temps. Il avait aucune notion du temps, mais les seules notions du temps qu'il avait, c'était les dates qu'on lui donnait quand il voyait des nouvelles personnes. Ouais, et ça faisait 15 ans qu'il était enfermé. 15 ans qu'il a été enfermé, et pour ce qui est du raid, il me semble que j'avais dit que c'était dans les 5 ans. C'est ça, il a dit que c'était il y a 5 ans, donc c'est le même raid, enfin on peut supposer, on peut supputer que c'est le même raid que le Mirti a subi. C'est ça. D'ailleurs, un truc que je me suis dit d'ailleurs... Je sais pas si ce serait à Myrtille de le dire en caractère, ça, ou si c'est à moi de le dire, de le faire signaler aux joueurs. Elle avait dit que c'était genre une esclave qui venait d'arriver ou un truc comme ça, non, dans cette maison noble.
C'était un esclave tout frais, oui. Et justement, le raid, c'était pour récupérer une personne assez importante. Ouais, une sorte de princesse. Est-ce que c'est elle ? Non. Ça peut être une coïncidence. Ouais, mais est-ce que la princesse, elle était brune ? Qui a parlé de princesse ? On ne sait... Qui a parlé non, de princesse ? Non, c'était pas une noble ou une princesse. Je sais que c'était quelqu'un d'important, en tout cas. Bah, c'est ce que... c'est ce qu'a dit le pote de ah, race. Suffisamment important, en tout cas, pour justifier d'envoyer... Des 5 mercenaires ou 6 mercenaires, il y avait en tout, je crois. Et c'est quand même une sacrée escouade et surtout un sacré budget, quoi. 7. 7 mercenaires, ouais, c'est vrai. Si tu racontes tout ça déjà à Katniss, elle pourra te dire que, bon, j'ai au moins quelques pistes, je vais pouvoir chercher à des endroits. Et ça pourrait être bien de retourner voir les quelques survivants que vous avez pu laisser, des raiders que vous avez pu croiser. Essayer d'avoir plus d'informations là-dessus. Voir... je me souviens plus, vous avez parlé de l'hôpital ? L'hôpital ? Non, il n'y avait pas d'hôpital, c'était l'alchimiste. C'était un alchimiste. Non, je parle pas de cet hôpital-là. De quel hôpital tu parles ? Bon, papa. Souvenez-vous des plans Des plans des... Le plan des ah oui des raiders. Des mercenaires. Oui, ils avaient récupéré la personne la prisonnière, puis ensuite ils l'avaient amené dans un hôpital. Oui, direct à l'hôpital, c'est ça? Oui, dans un hôpital, mais l'hôpital Ah, je me rappelle pas, j'ai pas noté. Il devait être soit à Cerulea, il devait être à Cerulea. C'est pas... T'es à Cora. Je me semblais que c'était à Cora, ouais. Moi, l'hôpital. Ah, sûrement, oui. Qu'elle venait de là-bas et que c'était là-bas qu'ils... Oui, c'était une noble de là-bas. Et Que d'ailleurs, je me souviens plus... C'était là-bas qu'on a eu les informations, d'ailleurs, sur ça. Ouais, que d'ailleurs, je me souviens plus si j'avais fait un jet de culture. C'était pour Clearalon. Je crois que t'avais déjà fait un jet de culture et ça te disait rien sur tous les nobles et tout le bordel. C'est vrai. Crotte de fou. Mais là, prochain objectif, ce serait d'aller à Cerulea déjà pour aller trouver ce fameux pyromane. Ouais, essayer de le choper. Parce qu'ils avaient dit que c'était soit au centre, soit à droite de Cerulea. Donc déjà, là où ce y a sera du un feu, peu moins de mort. Ouais, là où il y a... Et puis au moins, j'ai envie de dire maintenant, pour essayer d'aller choper un rat qui fout le feu, on a un truc de glace. Hein. Oui. Et donc il va avoir sa glace. Il est fier de son truc de glace. Hein. Il va le mettre sur la table à chaque fois, lui. Il va être content, il va nous sortir son Mister Freeze et puis ça va être vaporisé par le mec. Regardez, j'ai mon compagnon. Oui, alors. Le feu, c'est super efficace sur les tibulas. Regarde, avec lui, on peut conserver notre viande pendant plusieurs jours. Alors, messieurs, voilà. Ma magie de glace peut être efficace contre des armures de feu, et inversement, des attaques de feu sont efficaces contre des armures de glace. Voilà. Mais moi, je fais que le froid, donc. Mais moi, je tape le mec en feu pendant que tu le refroidis. Et si tu me refroidis, je te tape. Oui, bah... C'est QFD. Oui, bon, ouais, ok. Techniquement, si tu refroidis, t'es mort, quoi. en gros, du coup, ce serait aller sur Cerulea. Alors, on pourrait aller où sur Cerulea pour essayer d'avoir des infos sur lui? Bah tiens, Katniss, d'ailleurs, est-ce qu'elle aurait pas des infos sur ce fameux pyromane? J'ai entendu des rumeurs... Enfin, des rumeurs, non, c'est des faits avérés, qu'il y a eu quand même effectivement quelques incendies récents. Dans les environs. Dans les environs d'Overon ? Dans les environs de Cerulea. Ah, d'accord, parce qu'on est à l'environ, donc c'est pour ça que je me dis. Ok, et quels environs de Cerulea ? Parce que c'est très grand, c'est ouest, est, large. Attends que je regarde. Parce que c'est quand même la Russie, la Cerulea, hein, je c'est Russie. Enfin, ou la Chine. C'est un peu la Chine, quoi, c'est genre, c'est très large. C'est normal, là, Cerulea. Ça serait au niveau de... Comment je le prononce, ce truc-là? Ocholenora.
Oh, Cholenora. Considère ton problème. Oh, Cholenora. Faudrait. Pour y aller, le mieux, ce serait de. Ah ouais, mais. Oh, pour y aller, c'est chiant. On a un bateau. On a, oui, on a un bateau, mais regardez les eaux, hein. C'est soit on je fait 4000 km comme ça. Mon wifi est tellement pourri que je ne peux pas. En fait, c'est soit on passe par-dessus et ça fait 4000 km. Ça va. Ah si, ça a chargé. Attends, on est où, nous? Ah oui, on est là, donc ça, ça fait 1700. Allez, tu sais quoi, je vais 3000. Redcon, ça sera plutôt à Silat Nord. Silat Nord? Silat Nord. Ah, ça fait quand même 6000 km presque, hein, 5000. Et si... Ouais, si on passe par l'eau, c'est ça que je veux dire. Ouais, non, mais on y va. Eh, hey, même malgré tout, c'est plus rapide d'y aller, même si on y ça va. Ça fait 1300 km! Au pire, ça on tape là. Une bagnole! Non, bah en plus, on a la bagnole. Ah, c'est vrai qu'on a une bagnole. Vous avez une bagnole, oui. Après, est-ce que, est-ce que c'est connu si on peut traverser les montagnes ici ou pas du tout? J'ai jamais réfléchi. Mais pourquoi, pourquoi tu veux faire le tour? Oui, puis pourquoi tu veux passer par là, juste? Parce qu'ils s'attendent même pas à ce qu'on fasse le tour. C'est ici. Non, c'est là qu'on va au final, il a redcon, on va assez. Ah, c'est ici, punaise, autant pour moi. J'ai complètement oublié où est-ce qu'on va. Ah oui, donc oui, en voiture, oui, du coup, oui, c'est plus court, oui. Autant faut un passeport ou pas pour passer par Cirlon? On est des criminels, on a pas un passeport. Ça, on est recherché en plus par ce pays, hein. Je sais pas si tu l'as oublié. C'est vrai, j'allais dire, en plus, on est recherché. T'imagines, tu passes le truc. Oui, bonjour, je suis criminel. Tu passes une moustache. On est recherché par Cora, littéralement. Passe le machin et dit voilà mon passeport, je suis recherché. Ah, mais allez dans, allez dans le couloir. Pour rappeler, hein, on est recherché dans Cora, on est recherché dans Clairlon et on est un petit peu recherché dans Cerulaire. C'était à moitié, c'était pas trop. Alors, question, est-ce que la rivière elle est assez large pour accueillir la grande gueule? Il me semble que non. Bof, les rivières c'est pas ouf ouf pour ça. Surtout à quoi? C'est pas le canal de Suez quoi. Bah on a des canaux sur le bateau. Au pire, on va à côté du derrière et on y va en canot. C'est remonter plus long, okay. Remonter les courants fluviales, je me demande si vous n'irez pas plus vite en bagnole. Hein. Non, mais regarde. Là, regarde, c'est bon. On a 1200 km. On est loin de tes 4000 km. Ouais, mais on a la voiture. On a la voiture. D'ailleurs, la voiture, elle fonctionne très bien. Elle a été bien réparée, la bagnole, ouais. Moi, la seule chose que je me demande, c'est un petit peu hors sujet, mais c'est quand qu'on va avoir une aventure véritablement sur l'eau. On en a déjà une au tout début. C'est ça, mais ça, le truc, c'est que en tant que capitaine, ça me pète les couilles, mais d'une violence. Je vais présenter mes excuses, mais comme je l'ai déjà dit et je vais le redire encore, vous êtes sur une île des criminels, pas forcément pirates. Le bateau, il va surtout vous permettre de naviguer. Oui, non, mais... Et aussi, je n'ai pas d'inspiration pour des aventures en mer. Non, j'ai bien quelques vous idées, avez mais de pas pirates. J'ai pas envie de dire. Non, mais... vous êtes sur une île où il y a beaucoup de pirates. J'ai dit depuis le début que vous serez pas forcément des pirates et que vous allez beaucoup voyager sur terre. C'est pas une île de pirates, c'est une île de criminels. En plus, mais il y a beaucoup de pirates. Le problème, c'est que c'est une île, donc du coup, les criminels sont souvent des pirates. Moi, je dis, on va là-bas. Il faut aller créer une île à nous-mêmes. Écoute, au pire, Nakai, hein, on n'a qu'à dire que sur la route, en bateau, on est tombé sur une bicoque où il y avait trois mecs en train de pêcher du saumon. On leur a cassé la gueule, on a pris leur bourse. Et techniquement, on a fait un truc de pirate sur le chemin. Mais j'ai bien des idées dans le futur. J'ai bien des idées dans le futur, mais je peux pas non plus trop en dire. Vous comprendrez pourquoi. Bien sûr. Après. Alors, sinon, on y va ou pas? Oui, bien sûr. Ok. Bon, ben bah, c'est moi qui conduis la voiture. Voilà. On se prépare pour aller à Silat Nord, on prépare les provisions. J'imagine qu'on a déjà préparé les provisions pour, mais voilà. On prépare de l'huile de vidange. Est-ce que Katniss veut récupérer son crâne ou elle nous le garde? Oui, j'allais lui dire. Ça peut toujours être utile de l'avoir, mais va falloir que je songe à quelque chose de plus. De moins en moins visible. De moins encombrant. Mais on verra ça pour une prochaine fois. Et aussi qu'on puisse te contacter directement. Ah, ça, il vous faudra un nécromancien avec les mêmes strats que moi. Je peux lui donner un petit. Je peux lui donner un petit truc. Je voudrais savoir, Katniss. Du coup, vous êtes nécromancienne, mais vous avez appris comment la nécromancie? On va dire que c'est un talent inné. Et on peut l'apprendre si on en a envie? Ouais, je l'ai déjà appris à des
à des personnes qui étaient particulièrement... Parce que ça m'intéresse un peu. Avide d'argent et un peu feignant. Mais tu m'étonnes que t'es intéressé. Bah écoute, si un jour t'as des level up à prendre... Non mais par exemple, est-ce que vous avez un livre qui explique les bases, comment développer son pouvoir ou des trucs comme ça? Moi je vous guiderai. Mais... En vrai, je lui demande est-ce qu'elle a un livre ou quelque chose comme ça pour m'apprendre, parce que vu que je vais être souvent en voyage, c'est un peu un problème, tu vois. Non, mais vaut mieux l'apprendre sur le tu t'entraîneras dessus. Vaut mieux trouver des professeurs pour ça. Mais t'inquiète, Roger, le prochain mec qu'on le bute, on le garde et tu t'entraînes dessus. Oui, mais comment, je vais pas juste le scalper pour rien. You mug wake wifi, it's out. Tu vois, il faut quand même. Et puis il faut quand même que j'ai des bases, enfin au moins un livre ou un truc du genre, mais bon, y a rien de ça. Bon, déjà, commence par apprendre la magie, le reste, ça viendra ensuite. Vous avez un truc pour la magie, justement, juste pour apprendre la magie de base? Je sais pas, moi, la magie pour les nuls. Bah, si vous avez un bouquin, je veux bien. C'est ça que je demande. Je veux dire, la magie, c'est... Tu peux trouver n'importe quel mongol qui serait capable de faire un peu de magie s'il apprenait un petit peu les bases. Donc, Nécromancie dans un bouquin. Tu vas voir dans une bibliothèque et tu te débrouilles. J'ai l'impression. Voilà, c'est ça que je te demandais. Puis même fait, à Oveyron, je suis sûr qu'il y a. À Oveyron, il y a même certaines personnes qui pratiquent la magie ici. Donc, bon. La nécromancie. Vous pouvez m'indiquer quelqu'un ou votre poisson rouge? Quelqu'un en qui vous avez confiance, je sais pas. Dans Oveyron. On en a sur le bateau qui font de la magie, non? Oui, mais ils sont pas professeurs, ils sont pratiquants, mais pas professeurs. Oui, mais ils peuvent t'apprendre. Oui, voilà. Oui. Bah, si on peut m'apprendre le magie de base. Ouais. Limite, il y a lui. Ah, écoutez, moi je peux bien m'apprendre. Il y a qui? Le roux. C'est Rino. Oui, c'est vrai qu'il y a le roux. Je peux bien vous apprendre. Est-ce qu'il y a Pokémon? Parce que, bon, je le dis à toute l'équipe, mais en gros, j'aimerais bien apprendre la magie, mais pour soigner. Je me dis que la nécromancie peut servir aussi après, mais bon. Mais d'abord, la magie pour la soigner, et ensuite, la nécromancie. Laisse-moi juste survoler ce parallèle. Bah, écoutez... T'as un gars bourré qui soigne médecin, et qui... Tu joues la brute, et là, tu joues le médecin, je joue la brute. Il y a Cyrilo qui commencera quand même à dire, mais moi je peux bien tenter de vous apprendre les bases au moins. Mais après, bon, je connais pas la magie de guérison en soi, mais c'est des choses qui sont dans mes cordes. Il va tellement se retourner contre toi, ça. Oui, je peux vous apprendre les bases, oui, voilà, faites ça, et tu exploses. Si t'apprends comment faire des sorts, et en fait ça se retourne contre toi. Si ça peut permettre d'essayer de créer un lien de confiance, parce que bon, malheureusement, on est un peu. Bloqué ensemble, on va dire, parce qu'il est prisonnier. Parce qu'il y a un lien, qui nous unit malheureusement. Mais bon, bref. De plus, si nous allons à Cerulea dans la zone de Silathnor, justement dans la région d'Eluénor, on avait établi un petit QG pour se retrouver. Moi et mes camarades, ça pourrait être une bonne occasion de parler avec eux. Bon, d'accord, allez, allons-y. On fait ça pour la magie. La magie! La magie du plomb. C'est moi, ça. On peut aller faire quelques petites courses quand même avant de partir? Bien évidemment. Par contre, je suis en train d'y penser, Brutus. Un turbo pour le bateau. Enfin, Roger, avec ta magie de nécromancie. Tu ramènes un cadavre à la vie? Oui. Tu lui fous un baril à la place de Flip? Tu l'emmènes dans une taverne. Kamikaze. Non. Le baril. Ah non, il remplit le baril pour moi. Ouais, tu l'emmènes dans une taverne. Tu lui fais marabouter des trucs en mode ouais, je fais un concours de boissons. Celui qui perd, c'est celui qui paye. Et tu niques tout le monde, c'est un cadavre. Il peut pas y jouer. Oh, l'idée de merde. Comment grappiller de l'alcool gratos? J'ai rien entendu, il avait bugué. Bah, Discord a bugué, on est d'accord. En gros, l'idée Golden qu'ils ont eue, c'est de cacher un baril dans un cadavre, relier en gros un tuyau de la gorge jusqu'au baril,
et faire monsieur machin, je fais un concours de boisson, il boit, il remplit le baril du coup et puis il le ramène à ses potes. Ah. Alors. Du génie. Putain, je savais que j'aurais dû faire la nécromancie avec Gaston. Pas dit que l'alcool soit très frais après ça. Mais non, mais genre. Surtout qu'en plus ça passe par la gorge et tout. Mais tu lui cartonnes ça, c'est un cadavre. De toute façon, il s'en fout si tu lui coules du plomb dans la gorge avant de foutre. Non, mais c'est surtout nous, on va goûter des morceaux de lui, quoi. Il y a tout intérêt aussi à bien le grimer parce qu'un cadavre. Non, mais tant que le cadavre il est frais. C'est ça. Genre, tu prends le premier pochetron que t'as buté à la sortie de la taverne. Je veux dire, c'est pas parce que t'es un cadavre que t'as pas l'air d'un mec vivant, quoi. Donc. Il y a des mecs vivants qui ressemblent à des cadavres, je veux pas dire. C'est quoi que notre président ? Si tu vois un zombie, c'est un cadavre qui a été décomposé, mais si jamais tu prends un truc qui n'a pas encore été décomposé, il est frais comme un gardon. Ouais, il faut encore voir comment ça se déplace, quoi, mais bon. Il a un mètre de glace, là, il peut conserver le cadavre. Oh merde. Bon. Ça garde l'alcool au passage. Ah voilà, comme ça garde l'alcool au frais. Et là, et tant qu'à faire, pour aller pousser l'idée plus loin, tu remplaces la bistouquette par un petit robinet et puis voilà. Au pire Myrty, oui. Myrty peut lui coller des fils pour faire une marionnette ou un truc comme ça. Non mais en fait, au final, tu fais pas un cadavre ambulant, tu fais. T'as qu'à faire un Mikiden. Ce sera tout aussi efficace. Est-ce que les Mikiden tiennent l'alcool? Est-ce que les Mikiden tiennent l'alcool? Est-ce qu'ils peuvent le synthétiser au moins? Là est toute la question. Forcément, ça reste un combustible, non? Ce n'est pas dans comme dans Futurama. Enfin bon. Ouais, du coup, on va à Luénor. Ouais. C'est ça? Ok. Vous pourrez toujours discuter avec mes camarades pour tenter de faire affaire. Moi, j'aimerais bien aller voir un forgeron ou une armurerie. Ouais. Oui. Pour retaper ton armure. Oui, et aussi acheter en passant. Ah merde, j'ai confondu la voix. Je pensais à Harper parce que son armure. Oui, mais aussi, c'est ce que j'allais dire derrière. Ouais, pour bon, vous me faites une liste de ce que vous voulez faire et on lancera le dé de richesse. Un bolter. Je sais pas si moi j'ai besoin de. Ouais, je crois que quand même j'ai besoin de réparer un peu mon armure. Hein. Elle a pris des. Toi, ça va, mais c'est vrai que. C'est vrai que vu tout ce que vous avez pris, ça peut être bien de refaire le neuf et de retaper un petit peu vos équipements. Alors, je veux un tank. Une armure énergétique. Ah, c'est fini, vous faites les blagues à chaque fois. Et c'est vrai, mais il faut le faire à chaque fois. Il veut un bazooka, il veut un lance-roquette. On devrait retaper les armures. Un nouveau bateau. Non, ils veulent pas de Chaline comme professeur en nécromancie, ma chérie, puisque Chaline, déjà, elle est en vacances. Après, il y a ses gosses. Il y a des bottes en maille, mais il n'y a pas des brassards en maille. Attends, c'est où qu'on voit qui est-ce qui a acheté enfin, quoi, dans armure. Hein. Alors, ouais, t'as ça, ou sinon tu peux regarder dans le bouquin de règles, dans en dessous des dans les journaux, dans règles. Équipement. Et ensuite dans équipement. Ou sinon, je peux te donner la page directement. C'est vrai que je mais c'est vrai que mon wifi, merde. Parce que je cherchais moi des brassards en maille parce que j'ai une cuirasse en maille. J'ai trouvé les bottes et le casque, mais j'ai pas trouvé les brassards. Il y a que je crois que la cuirasse ça fait partie des. Des bras ça... Non, c'est brasseron la cuirasse. Oui, mais ça, je crois qu'elle prend aussi. Attends, je vais regarder. Je regarde ma chemise en maille, mais je crois pas qu'il y ait les bras dedans, qu'ils sont comptés. Chemise. Chemise en maille d'écaille, si ça prend en compte les bras. Ok, donc j'ai pas besoin de prendre ça en bronze, ok. Tac. Non, la cuirasse de bronze, elle prend en compte les bras ou pas? La cuirasse de bronze... Non, parce qu'elle est brassard, j'imagine, donc... Non, là, ça prend que le torse. Ouais. Ok. Moi, je vais partir du coup sur un armurier
lui faire réparer, enfin lui, ouais, bah, lui faire réparer la chemise de maille que j'ai. Et si j'ai assez, acheter bottes et casque en maille. Ok. Alors moi j'attends que mon wifi revienne. Ça marche. Je dis tout ce que j'ai besoin d'acheter, comme ça c'est fait. Ouais. Pendant qu'il parlait, j'étais en train de regarder tout. Bah, ça sera un jet de richesse, mon cher. Je vais te le mettre à moins 2 quand même avec tout ça. Avec tout ce que j'ai proposé, du coup ? Ouais. Ok. Moins 2, je le mets où exactement ? Je clique sur juste à côté du dé de richesse, tu mets moins 2. À la place du plus 0 alors ? Ouais. Ok. Moins 2. Juste avant, je vérifie quand même. Tu as dit casque en maille, c'est ça ? Alors, ouais, casque, capuchon en maille ou et botte en maille. Et après, c'est soit botte d'écaille ou casque d'écaille. Tu vois, c'est, enfin, c'est la même c'est ça, donc, catégorie. Donc, ouais, ça va être pour du moins 2, ouais, comme de. Ouais. Ok. Bon, moins 2, richesse de D8. Lancé. J'ai fait 4. Ok, est-ce que tu c'est passes bien à... Ouais, tu passes à D6 du coup. Ah, cool. D6 0. D6 0, c'est ça. Ok. Et très je bien. Te glisse tout ça. Ah, j'allais le faire. Ou, bah, vas-y, fais-le au pire, ouais. Ah, bah, vas-y. Alors, botte en maille. Casque. C'est bon, vous pouvez le faire. Il commence à être bien lourd là. Ouais, je suis à 27 kilos sur 30. Les autres. Heureusement que je peux planter beaucoup. En train de regarder. Moi, j'ai essayé de recharger le Roll 20, le Roll 20 de Foundry. Bon, je verrai après. Ren, j'ai une petite question sur est-ce qu'il y a des équipements magiques par hasard ou juste il n'y a pas de. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de très facilement trouvable. Ouais. Ça, c'est, techniquement, ce sont des choses qui sont trouvables, mais peut-être pas forcément ici à Auveyron. Et c'est surtout des trucs que je n'ai pas forcément beaucoup réfléchi. Et Loupi vous offre une carte aventure à chacun. Oh, merci Loupi. Ok. Ça aurait pu me servir pour le marchand, ça aurait été. Dans ce cas-là, est-ce que je peux, tu peux confirmer que les balles de Derringer peuvent être utilisées comme balles de Colt est-ce que c'est des balles moyennes hein. Ben, je sais pas normal. Attends. Balles moyennes, c'est de 9 mm à 40, à calibre. Il y a marqué Derringer.41 et Colt Peacemaker.45. C'est des balles moyennes. Et... Tu regardes dans la description de ton Derringer, c'est marqué balles moyennes. Ok. Et pour j'ai eu la pire carte. Je veux rien savoir. Moi, j'ai eu la meilleure. Et pour le Colt. Tu regardes la description, normalement, j'ai tout marqué. Ok, alors laisse-moi regarder. Et je vais regarder un petit peu vos cartes. Harper, afflux de pouvoir. Effectivement, c'est pas un truc pour toi, ça. Recherche tous les points de pouvoir du héros. Ça, c'est... ça peut marcher pour Myrtille. Myrtille, t'as le droit d'utiliser ma carte si tu veux. Oh, j'ai dans le 1000. Attends, mais j'arrive pas. Comment on fait pour les lire encore? T'as une petite flèche à droite. Tu cliques sur jouer et normalement, ça te la met en grand. Lucky qui a voilà la cavalerie. Mais il n'y a pas joué, il y a pioché, passé, réinitialisé, sauvegardé. Moi j'ai poussé d'adrénaline, joue immédiatement un tour supplémentaire, mouvement inclus. Parfait. Dans le 1000, mon cher Golden, c'est tu joues la carte et tu doubles les dégâts d'une attaque à distance réussite. C'est bien. Ouh. Moi ça m'énerve que la Winchester c'est 2d8 moins 1. Ça m'énerve de voir le moins 1. Bah t'as... Roger il a la même mais avec le corps à corps coup mortel double dégâts au corps à corps. Tu peux pas tu peux pas demander s'il est possible d'améliorer une arme genre d'enlever le moins 1. Je pense pas parce que sinon après c'est abusé. La Winchester l'avantage c'est que elle a PA, elle a 2 de PA et 15 coups tandis que comparé à d'autres armes qui ont l'air de faire plus de dégâts genre le charge speed c'est un coup. Et puis faut recharger. Ouais, mais tu mets le prix. Après, oui, la Winchester, en fait, c'est. Tu peux tirer plusieurs fois. Et effectivement, le perce armure est très intéressant. Ouais. Bah, en fait, moi j'hésite. Soit j'achète des fumigènes et une baïonnette pour la Winchester, parce que ça peut être utile, ça pèse moins lourd et ça me permet de me défendre plus facilement encore à corps. Et je me dis que les fumigènes, ça peut être utile. Soit. J'achète un fusil à canoncier pour corps à corps si je me retrouve à quelque chose au corps à corps, mais le problème c'est qu'imaginons que je vous touche derrière.
Ouais, mais ça peut être. C'est le canon scié, ça peut être très bien. Oh, le Terminator dans le dos, là. Pas le canon doux, mais le canon scié, c'est la même chose, je vois. C'est... Ah non, c'est juste que le canon scié, il tire encore moins loin. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt de prendre le canon scié si le canon double coûte la même chose et qu'il tire plus loin? Je pense que pour la cinématique, tu peux en avoir un dans chaque main avec le canon scié, même si techniquement, non. Je vais pas en avoir un dans chaque main, moi. Mais on va dire le canon double, j'imagine, c'est un truc à deux mains et le canon scié, tu peux prendre à une main. Après, il est plus léger aussi, le canon scié, ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est 150. Et vu que t'as pas beaucoup de force, ah oui, bah justement, attends, à force minimum. Ah oui, voilà, le canon double il va te demander un D6 en force alors que le canon scié un D4. J'ai un D6. J'ai un D6. Donc c'est la même chose en plus léger. Donc c'est comme tu le sens. Mais faut que je regarde aussi parce que malgré tout, j'ai pas beaucoup de. Si jamais vous voulez depuis voir que je n'ai plus le filet, depuis que je n'ai plus le filet lesté, j'ai plus de place dans mon inventaire. Alors, j'ai une question. Ouais. Sur l'achat d'équipement. J'aimerais acheter des brassards en bronze pour ouais. réparer ma cuirasse. Ouais. Acheter une chemise de maille, mais des chausses de maille et une coiffe en cuir épais. Le câble, les chapeaux, alors, c'est moi, ça. En gros, tu veux fusionner des armes. Enfin, tu veux porter deux armures t'as différentes. Dit que je pouvais porter deux armures. Alors, oui, mais. C'est gaffe au poids, hein. Justement, bah déjà, il va y avoir une question de poids. Deuxièmement, une question de force. T'as combien en force actuellement? Il me semble que t'as j'ai un D8. C'est pour ça que j'ai pris que des armures en D8. Oui, bah justement, en fait, si tu portes deux armures, ça va augmenter d'un type de dé la force minimum de ton armure la plus grosse. Donc ça va considérer comme si t'étais à D10. Ah oui, en D10. Et là, tu vas être gros. Mais je voilà. Ok. C'est une boîte de conserve qui bouge pas, c'est tout. Voilà son potentiel. C'est ça. Ouais. Non, bah alors je vais juste réparer ma cuirasse de bronze et prendre les brassards. Et les bottes. Je prends les bottes. Hein. J'ai déjà les bottes. Il a déjà les bottes. Ah d'accord. Ah ouais. Il est bien équipé bottes. Déjà. Et alors je vois que tu avais ajouté une armure. Ou alors c'est moi qui l'avais ajouté celle-là. C'est toi qui m'avais ajouté. Ah oui, c'était. J'ai failli le. Armure naturelle. Je vais marquer. Armure naturelle. Parce que là, j'avais remarqué que ça protégeait que le torse des écailles, alors que techniquement, c'était protégé si jamais tout le corps. Voulez... Je dis ça au cas où, c'est si jamais vous voulez voir les cartes aventures de tout le monde, je les ai mises dans le chat du Discord. Comme ça, voilà. Je peux trouver une combinaison anti-bombe? Non. C'est pas... Déjà, les bombes... Enfin, il y a bien les grenades, mais tout ce qui est... Vraiment, les grosses bombes, c'est pas encore suffisamment. Ça existe, okay. Mais c'est pas encore suffisamment développé. On en trouve surtout sur les frontières Drelak et Aelia Tauren. Pourquoi ça m'étonne pas, Drelika? La gueule! Non, c'est pas Drelak! Si, c'est Drelak, c'est Drelika. C'est une invention de Drelak, effectivement. Les mines antipersonnelles. Oh. Alors. C'est étrange. Ben voyons. C'est un pur hasard. C'est après une grande réflexion. Ouais, c'est les arabes qui ont des. Ma gueule. Ben voyons. Le Sheward. Oh merde. Alors du coup, reste... Attends, parce que je n'ai pas dit le jet qu'il devait faire, le monsieur. Attends, j'ai pas fini. Donc, réparer ma cuirasse. Ouais. Acheter les casque. Le brassard, ouais. Et peut-être me racheter une hachette, parce que je me rends compte qu'en fait, je savais balancer la mienne, je sais pas où elle était tombée, je l'avais jamais ramassée. D'accord. Mais si, je croyais que c'était sur un combat et je l'ai balancé à la mer, parce que j'ai complètement foiré mon jet. D'accord, pour ça, je te demanderai un jet de richesse sans modificateur, mais tu perdras ton plus 2 ensuite. Ok. Et tu le passes à D8, à D6, pardon. Ok. Donc, je remets mon armure, donc ma cuirasse à 3 d'armure. Ouais. Ça, c'est bon. Je me remets une hachette.
Maintenant, si on veut te faire des dégâts, faut viser la tête. Le problème, c'est que je vois pas mon perso avec un casque, donc je vais pas lui en mettre un. Ce sera plus dur à toucher, mais au moins, on pourra faire des dégâts. Tu fais comme dans Mass Effect et tu mets un casque et tu vas dans les options. Casque visible dans les cinématiques, non. On peut faire ça. Ok, pour toi, c'est good. Les autres? Je vais répondre à ma question. Ah, c'était quoi la question? On peut faire ça, enlever le casque pendant, dans les cinématiques? Techniquement, non. Ah merde. Parce que sinon, moi j'ai acheté le casque en plus. Hein. Non, t'es déjà assez pété comme ça, je veux pas t'autoriser. Si tu veux prendre un casque, oui, mais. Putain, je suis à 12 de résistance. Après, en plus parlant, tu peux juste enlever le casque et le mettre sur ton, sous ton bras, quoi, mais tu le garderas, quoi. Putain, je suis à coup d'armure. Du coup, moi, Ren, je pense que je vais prendre le canon double, mais il faut lancer le dé, n'est-ce pas? Tu prends que ça? Il va falloir les munitions. En fait, moi, si je pouvais prendre tout ce que je pouvais, ce serait le canon double et ses munitions, une baïonnette sur la Winchester et des fumigènes et des grenades. Mais en fait, si je m'écoutais, j'achèterais plein de trucs. Je sais pas trop comment je peux améliorer mon gear, moi, en fait. Là. Moi, c'est juste que je vois pas Salomon s'acheter d'équipement parce que lui, c'est un robot, il est en mode je ne connais pas la souffrance. Ouais, canon scié. Tu peux quand même prendre des grenades. Canon. Le canon double, il est. Tu peux mettre des bottes de cuir. Ouais, mais Ren, j'ai une question par rapport aux grenades. Il faut faire un jet d'athlétisme pour les lancer. Ouais. Ok. T'as quoi, Myrty, comme gear là? T'as juste le manteau? Elle a son manteau et ses flingues. Et tu peux rajouter les bottes d'hiver. Et le. Est-ce qu'elle peut toujours utiliser l'adhérence avec ses pieds si elle porte des bottes? Ouais, je vais pas faire chier avec ça, oui. Ouais, Spider-Man, ça passe au travers. Et après, t'as la coiffe d'hiver aussi. Bah, du coup, elle va s'acheter des jolies bottes. t'as la coiffe d'hiver et t'as les bottes d'hiver. Ou qui sont traduits aussi par cuir souple ou fourrure. C'est toi qui choisis, quoi. Ok. Et jolies vêtements. Ok, je pense savoir qu'est-ce que je veux. Déjà, je vais rester sur Salomon. On reste que sur le canon? En fait, j'aimerais bien le canon double avec la munition, une baïonnette à mettre sur la Winchester et peut-être quelques fumigènes parce que ça peut être utile. Je crois que c'est un malus de moins 4 de visibilité dans un grand gabarit. Je me dis en vrai, sur un groupe, ça peut être pas mal. Alors que je regarde parce que j'avais pas noté les prix des fumis. Si, 50, il était mieux. 50 là. Ou alors c'est le truc de base. En fait, moi, ce que j'adorerais, c'est pouvoir modifier Salomon en mode il tire la fumigène depuis son bras, les machins ainsi, mais j'ai pas assez de réparation pour faire des trucs ainsi. Ok. Et la baïonnette, elle coûte combien? La baïonnette, 25, le canon double, 150, et les fumigènes, 50. Ok, bah écoute, tu vas me faire ton jet à moins 2. Le jet de richesse à moins 2 et tu pourras tout avoir. Ah! Ah! Vas-y, chier. Au secours. Le croco va devenir une tortue. Ouais, il faut que je... Tu es une tortue. Ah! Ah! Tu es fauché! Mais tu peux tout avoir. Oui, mais j'ai aussi un béni en vrai. Tu peux, c'est vrai. J'ai reçu un béni de Loupi. Non, c'est de Rémi Silvergold. Du coup, je le béni en mode ça va être je vais imaginer que c'est ma relance gratuite. J'aimerais bien ne pas être fauché. En plus, tu le mérites même pas ce béni. Voilà, tu passeras à D6 du coup. Pourquoi je ne le mérite pas? Parce que la dernière fois, tu nous as fait perdre un béni. Ben là, c'est la faute du MJ, c'est pas de la mienne. Et du coup, je descends de combien? Tu descends à D6. Et okay. Tu peux prendre ce que tu as dit que tu prenais. Donc les deux fumis, la baïonnette et le canon double avec une boîte de munitions. Calibre 12 ou les slugs, au choix. Je sais pas, ça change quoi. La slug, ça tire plus loin normalement. La slug, elle va tirer plus loin et elle aura des dégâts fixes si je dis pas de conneries.
Parce que j'ai vu ça écrit nulle part en fait. Alors, les balles slug. Donc, les fusils de chasse peuvent aussi tirer des balles. Le bonus de plus 2 au tir est perdu. Parce que, ah oui, c'est vrai que quand tu es au calibre 12, tu as un bonus de plus 2 au tir. Pour toucher. Par contre, les dégâts du slug passent à 2d10. Et ne varient plus selon la portée. Et c'est écrit où tout ça ? Je suis dans le côté des balles slug et je le vois pas. C'est beaucoup plus loin dans les règles. Ah, dans les règles, moi j'étais sur l'inventaire. Il n'y a pas moyen de copier-coller la baïonnette, la bête et tout, ou alors faut tout faire à la main. Bah non, tu la glisses. Tu la glisses. Mais moi j'ai jamais rien acheté avec. Tu glisses l'équipement du compendium jusqu'à ta fiche. Se met directement dans l'inventaire. Et le fusil à pompe, dans le rappel, donc oui, il y a le plus 2. Et aussi, si tu tires portée courte, c'est 3d6 dégâts. Portée moyenne, 2d6. Portée longue, 1d6. Et combien de fumigènes j'ai pu prendre ? 2, je t'ai dit. Ok. Très bien quand même qu'on puisse avoir des armes plus cool. Ah ben là c'est les loot hein. Après. Et pour l'instant la flashbang n'existe pas. Ouais. Fireball. Quant à mon shopping, Ren. Le shopping. J'aimerais bien changer mon Derringer pour un Colt, voire même garder les deux. Hein. Ouais. Ainsi que m'acheter des outils de serrurier. Ah. Enfin, que je t'ai peu facilement. Ouais. Ainsi que, je sais pas si tu vas m'autoriser, du poison paralysant. Que je pourrais potentiellement enduire sur une dague. Dans des balles ? L'assassinat, c'est truc de merde. Sur une dague ou sur mes balles. Enfin, pas forcément sur les balles, ce serait un peu trop pété, mais au moins sur une dague. Sur les balles, ouais, ce serait chaud. Et pour ce qui est des dagues, va falloir il me semble que il va falloir surtout des dagues appropriées. Donc un poil plus cher. Ok. Mais sachant qu'il faudra que... L'autoriser. D'accord. Pour la première fois, j'autorise le poison à mes joueurs. Ouais. Donc il faudrait que je prenne une nouvelle dague qui soit faite pour accueillir du poison. Ouais. Que je prenne un colt que je fasse retailler parce que... Enfin, entre guillemets retailler, parce qu'il faut qu'il soit adapté à ma race. Tiens, est-ce que ça existerait, Ren, des balles spéciales qu'on puisse... Des balles spéciales qu'on puisse tirer d'un colt, genre avec des effets ou des trucs comme ça, des modificateurs? Ah, des balles enchantées. Enchanté, je sais pas, mais genre que si tu colles du poison paralysant dans tes balles ou un truc comme ça. Je pense que ça va demander, ça sera des balles particulières achetables à l'unité et super chères peut-être à la rigueur. Après, on est à Oveyron, il y a tous les connards du monde qui peuvent en faire. Est-ce que je veux dire une balle empoisonnée ou une balle paralysante, si ça peut nous faciliter la vie contre un ennemi chiant, j'en garderai peut-être genre 3-4. Et n'oublie pas d'ailleurs que toi, tu as tes fioles mystérieuses. Les fioles pas du tout suspectes. C'est vrai que j'ai les fioles pas du tout suspectes. Ouais. Et donc, soit le poison à mettre sur une dague, ou sinon, si je peux aussi, potentiellement, peut-être du poison à mettre sur des balles, ou des balles empoisonnées. Dans les balles. Quand tu prends une balle dans le corps, le poison, c'est le dernier de tes soucis. Cela dit... C'est paralysant. Juste un poison paralysant. Pas mortel. Cela dit, au lieu d'empoisonner les... Attends, Myrtille, je finis avec Ras, je viendrai sur toi aussi. Et okay. Cela dit, empoisonner des balles, peut-être pas, mais avoir des fléchettes, tirer des fléchettes, ça, peut-être. Mais... C'est pas ce qu'il y a de plus répandu, donc je pense que je mettrai ça à un prix quand même suffisamment fort. Donc en attendant, la dague, plus de quoi la porter, le flingue, plus de quoi l'équipement qui sert pour bien le porter pour ta race. Les balles, c'est pas la peine de les acheter. Le poison. Et des outils de serrurier. Sachant que techniquement j'ai déjà une dague, donc à la limite, soit peut-être là, si je peux, soit la faire. La faire changer pour qu'elle puisse prendre du poison au lieu d'en racheter une nouvelle.
Non, il va falloir vraiment une spéciale pour ça. Genre qu'il y a, un petit réception à l'intérieur. D'accord. Bon, ben si je vends mon ancienne dague, est-ce que ça ira mieux? Est-ce que ça... Elle vaut plus rien, ta dague. Donc ça va pas changer grand-chose sur le prix. Je pense que tu vas me faire pour tout ça si tu veux tout avoir, tu vas devoir me réussir, ou rater d'ailleurs, un jet de richesse à moins 4. Ok. Selon ton jet, j'estimerai la dose de poison que tu auras. Ok. Donc j'avais un D8 plus 1, donc tu me mets moins 4, donc je me mets D8 moins 3. Comment ? J'avais D8 plus 1. Ah oui. À la base. Ok. Eh bien, tu vas pouvoir passer du coup à D6, sans trop de soucis. Et je vais te donner 5 doses de poison. Sachant que... Oui. Dans ta dague, tu vas pouvoir gérer tes doses, justement, de 1 à 5, on va dire. Et plus tu... Enfin, de 1 à 4. Plus tu en mettras, plus ça sera dur de résister au poison. Ok. En gros, ça sera le jet à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 selon la dose. Ok, je te laisse glisser le de poison ou il faut que je me le mette moi-même Tu vas te le mettre toi-même, tu marques fiole de poison paralysante pour 5 doses et la dague, pardon, ouais, ça sera 5 doses aussi. Une dose, ça sera un jet de vigueur sans malus et puis pour chaque dose supplémentaire, c'est un malus de moins 1 pour la victime en vigueur. Quantité. 5. En attendant, je te laisse noter ça dans ta tête et je passe à Myrtille. Alors déjà, je pense que Myrtille va se prendre le chapeau qui va bien et les petites bottines. Il y a Silvergold qui me dit que Lucky c'est un joueur de Slays of Spire et je lui donne du poison. L'erreur. Carrément. Mais donc ouais, Myrtille va faire quelques emplettes pour voir si elle peut trouver des balles qu'elle peut faire, à quoi elle peut faire contenir soit du poison, soit des poudres explosives, des trucs comme ça. Des balles explosives ou... Ça pourrait exister, hein. Ça exploserait deux fois. Bah en soi, techniquement, les balles explosives, si je dis pas de conneries, il y a juste à les entailler. Après, est-ce que... Je sais pas comment je gérerais ça. Un bonus au dégât. Je peux faire mon expert balistique. Vas-y, fais ton expert balistique, ça peut peut-être m'aider. Grossièrement, alors pour faire, étant donné que tu as une arme avec des balles à douille, si tu veux faire ce qu'on appelle donc des points de creuse, des trucs qui vont faire beaucoup plus de dégâts à l'impact, normalement tu fais un couteau, tu tailles en croix la balle. Ouais, de manière parce que profonde, c'est ce que je visualisais. Quelques millimètres. Et niveau impact, grossièrement, un pistolet peut se transformer en une cartouche de shotgun tirée collée contre le torse. Mmh. Bah, si vous avez vu le film The Revenant, il le montre très bien. Non, c'est pas The Revenant. C'est un autre film, ou peut-être The Revenant, mais il le montre bien avec, avec une winch, justement. Et du coup, j'imagine que la balle volait moins loin, non ? La balle vole moins loin et pas droite surtout parce que c'est du travail on va dire artisanal, mais par contre quand ça tape, je préférerais clairement prendre vraiment une cartouche de 12 hein, parce que là ça explose à l'impact de manière assez énervée. Non, on n'a pas encore fini. Bah écoute, donc c'est quoi, c'est un malus au tir contre un bonus au dégâts, ça ? Je vais prendre en considération du coup ce que me présente Harper. Je pense que si tu trafiques tes balles, je ne demanderai pas spécialement de jet pour ça, mais ça sera des tirs du coup. Il faudra que tu me fasses aussi un listing de combien tu as de balles. Ça sera des jets à plus 1, à moins 1. Pour des dégâts à plus 1. Ok. Juste plus 1 ? Oui. Ça me paraît raisonnable. Ok. J'ai une question, Ren. Et donc, ouais. Et donc. Ben vas-y, finis. Et donc, ouais, est-ce que Myrtille trouve des balles qu'elle peut induire de.
De substance. De substance. Alors, substance. Comme je l'ai dit, ça sera pas des balles que tu vas pouvoir directement induire de substance, ça sera plus des fléchettes. Donc des balles spéciales. Ouais, donc ça rentre pas dans un pistolet, quoi. Et je vais dire que si tu pourrais trouver, mais ça va coûter. Là, comme je l'ai dit, ça va être à l'unité. Ça va s'acheter à l'unité et à gros prix. Oui, quand même. Ouais, non, on va rester sur les hollow points. Donc, elle va juste faire les emplettes et s'acheter un joli chapeau et des jolies bottines. Ok. C'est en gros chapeau d'hiver et bottines d'hiver. Ouais. Ouais, là, franchement, je vais pas demander de jet pour ça. J'ai un truc à faire, si des gens veulent encore réfléchir. Parce que moi, je sais directement ce que je veux faire, donc... J'arrive pas à glisser ça sur ma fiche, comment je fais ? Alors ? Tu ouvres ta fiche, tu glisses, voilà. Ouais, mais j'arrivais pas à... Brutus ! J'ai 3 épées courtes à vendre. Ouais. Est-ce qu'il y a la pièce dedans ? Je voudrais soit les vendre, soit les échanger contre un bouclier moyen. Attends, est-ce que tu comptes celles que j'avais, moi aussi ? J'en avais 3, donc c'est moi qui les ai ramassées, donc je sais pas si t'as compté celles que j'ai ramassées, donc... Ou alors on peut dire que je l'avais plus vu que j'ai sauté... Je pense pas que j'ai sauté du train avec l'épée vu que j'ai chopé un cadavre. Mais bref, Ren, est-ce que je peux soit échanger les 3 épées courtes contre le bouclier moyen, ou est-ce que je les vends La question c'est, est-ce que t'as d'autres achats à faire? Non, c'est le seul truc, parce qu'après dans ce cas-là, tu pourras te débarrasser des épées et me faire le jet de richesse normale. D'accord. Donc, richesse de base. D6. Tac. Je relance. Je relance. J'ai mis grossièrement ce que ça donne de la pointe creuse sur un humain. Mais putain, enfin, je relance. Ah oui, dans la balle, dans le truc. Ah bah non, là c'est un fumble, tu peux pas relancer, mon cher. Ah merde, pardon. Bon, bah. Je croyais que je pouvais relancer les fumbles, mais bon. Non, les fumbles, tu ne peux pas. Ah bah tu peux me rendre mon pénis, s'il te plaît. Non. Et ça, j'ai lancé le... normal. Merci. Bon bah du coup, j'imagine que je passe en fauché. Non. C'est juste que le gars soit ne vend pas de bouclier, soit il est vraiment trop cher pour toi. Oh, le fils de sa mère. Au moment, tu perds pas ton fric. Ouais, mais ça me fait chier, quoi. Va falloir que tu trouves un autre vendeur, mais il n'y en aura pas au Véron. Il veut pas accepter mes épées courtes ? Non ! C'est de la merde, tes épées ! Bon, ben, je garde pour les vendre pour plus tard, alors. Bah, du coup, Ren, moi, ce que je voulais demander, c'est si, avec tout ce temps, j'avais pu récupérer aussi tes munitions pour la Winchester. C'était combien ? 40 que j'avais ? J'ai pas compris le début de la phrase. Si, vu tout le temps qui s'est passé, j'avais eu le temps de récupérer bon max de munitions avec la Winchester. Ouais, franchement, en plus, si vous faites des emplettes, vous pouvez vous racheter vos balles sans avoir à faire de jet. C'était combien le max pour la Winchester ? C'est des boîtes de 50 balles, donc... rajoutez-vous une boîte... Je me demande si, en fait, je vais pas vous mettre des munitions illimitées, sauf en cas de... Je pense qu'il y a eu 2-3 fois où, en vrai, si j'avais pas pensé à demander... des munitions, il est possible qu'à un moment donné ça arrive à zéro. Non, mais en soi, tu remets juste tes boîtes de munitions à 50 et ça ira. Ok. Pareil pour tout le monde, pour tous ceux qui ont des munitions. Sauf je crois que le fusil à pompe, je crois que c'est des boîtes de 20. 25. 25, des boîtes de 25. Et, d'ailleurs, du coup, j'imagine que Myrtille va trafiquer certaines de ses balles pour être des points de creuse. Comment ça se passe si on a différents types de balles en même temps? Je pense que je vais te faire dans ton inventaire un autre. Je sais pas. Notre gun qui a pas de poids et qui utilise différentes munitions. Voilà, par exemple. Par exemple, je vois que t'as 2 fois un Colt. Je pense que ce que je vais faire, c'est mettre que comme quoi tu en as 2. Ah ouais, mais non, sinon, parce que c'est. Ils vont utiliser 2 fois les munitions différentes. Ah oui. Ah ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Ouais. J'ai quitté. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire sinon ? Bah attends, c'est quoi ? Parce qu'en fait, c'est surtout pour le rechargement que ça pose problème, parce que... Bah en gros, faudra juste changer... Ouais, c'est vrai, c'est un peu relou. Je te remets un Colt 1211, pardon. Ouais, mais du coup, il y a le poids qui compte avec celui-là. Non, je vais retirer le poids pour celui-là. Ah.
Ah oui, une arme sans poids qui prend exclusivement un truc genre spécial balle creuse. En gros, c'est si tu voudras tirer avec. Si tu me dis, je change mes munitions pour tirer machin. Ou alors, tu fais un truc simple. C'est un gun avec normal et un gun, vu que t'as plusieurs guns. Ah, j'en ai deux, mais elle les tire les deux à chaque fois, à chaque tour. Bon, okay. Après, c'est vrai que ce serait pratique d'en avoir un qui a les balles creuses, un qui a les balles pas creuses. Et donc, du coup, elle tire deux fois d'un seul pistolet plutôt que de faire en akimbo, quoi. Mais... Alors, balle moyenne trafiquée, je vais noter ça comme ça. Bah, tu sais quoi? Tu sais quoi? Hein? Elle va s'en acheter deux autres des flingues. Oh putain, un par bras. Et comme elle ça, toujours, les deux autres pourront toujours tirer avec des balles. Elle pourra toujours en tirer que deux par tour, mais au moins elle en aura. Et les deux autres flingues seront avec les balles trafiquées? Ouais. Je ça regarde, marche. En vrai, je pourrais faire super mal avec mon. Ça sert à rien, mais c'est très cool. Avec mon double canon. Si je tire les deux balles d'un coup, c'est un seul jet de dégâts plus 4. Par contre, je te fais quoi comme jet de richesse pour m'acheter de flingues? Imagine Myrtille avec un double canon dans chaque main. Écoute, tu mettras. Tu fais pas de jet, tu auras juste moins 1 sur le prochain achat. On va faire ça simplement. Ouais, donc du coup, ça veut dire que je repasse à 0. Non. Si, parce que j'étais à plus 1. J'étais à plus 1? Bah, ton dernier jet, le plus, il part. Ouais, donc. Tu le mets à moins 1. Le dernier jet, j'en ai pas fait, Ren. Ah oui, t'as pas fait de jet, donc oui, là, effectivement, tu vas me faire un jet. J'avais oublié qu'il m'avait pas fait de jet. Je te fais un jet maintenant, oui ou pas? Ouais. Donc je te fais un jet pour mon plus 1, c'est ça? Avec le plus 1, ouais. Et je te mets des balles moyennes. C'est et je vais noter qu'elles sont trafiquées. Pour le moment, et je voilà t'en fais 50 et tu les, je te laisserai gérer les munitions de tes balles moyennes. Et voilà 6. Et donc tu passes à des 6, ouais. Moi, je me posais la question, est-ce qu'on achète aussi des trucs du genre grappin, corde En fait, j'ai déjà un grappin, j'ai déjà une corde en nylon de 20 mètres. Ouais, mais tu sais, genre un moyen de le tirer, le grappin. C'est genre on l'attache à ma Winchester, paf. Ouais, non, ça non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, Myrtille, je t'ai mis deux nouveaux colts trafiqués avec le poids et tout le bordel normalement. Ils ont zéro munition et je t'ai mis dans divers balles munitions moyennes. Ça, en gros, quand ça va tirer et recharger, ça sera directement là-dedans. Je te laisse. C'est tout en bas normalement. Je te laisse utiliser le nombre de balles moyennes que tu vas utiliser pour les mettre dans les balles moyennes trafiquées. Et je peux pas tout racheter les balles moyennes pour avoir 50-50. Ça fait quand même beaucoup là. Oui. Ah, elle en portait 100 à la base. Hein. Oui, mais je sais même pas pourquoi t'en portais 100 à la base d'ailleurs. Bah, pourquoi pas? Parce qu'elle a des crises de colère et qu'elle en dépense beaucoup. faut être paré à tout. Je dis pas, mais. Et puis quand tu sais qu'elle peut utiliser 6 flingues, si tu te ramènes qu'avec 50 balles, c'est pas assez. Moi je dis Myrtille, on lui donne 2 batteuses. Rennes. Oui. Prochain rang, j'augmente encore la force. Je vais lui donner des. Bon, c'est quoi, allez, je te mets du 50-50. Oh, voilà, l'usure qu'on a, le MJ. Ouais. Ouais. Elle est contente. Elle va tirer que avec ses balles trafiquées, du coup. Bah non, si jamais elle a besoin de tir. Ouais, ça me paraît quand même beaucoup, 50-50. Je vais te mettre 30-30, histoire de. Bah, ok. Pour d'équilibrer. Moi, je voulais juste poser une question. Ouais. C'était par rapport. Je sais plus si sur le bateau il y avait de quoi me réparer si jamais on doit prendre. Oui, depuis le temps il y a un petit peu de bricolage, oui. Ok, bon, donc ça il n'y a pas besoin. Ce que je voulais savoir, c'est est-il possible aussi de. Des jumelles ou une longue vue, un pied de biche, parce que la prochaine fois qu'on tombe devant une porte, l'électronique bat les couilles, j'utilise le pied de biche. On va dire qu'il y en a sur le bateau. Ok. Je suis un pied de biche! Mais pourtant, tu n'as pas réussi à ouvrir la porte. Mais parce que j'étais en train de me patater contre une boîte de conserve. Je suis un petit biche, vous êtes sorti, vous patater. C'est moi qui ai dû essayer d'ouvrir la porte alors que vous aviez. On va peut-être avancer, messieurs. Ouais. À
Après, pas que j'ai prévu quelque chose, hein, mais... Menteur, on sait tous que tu veux nous faire mourir. C'est juste que vous entendez une musique de boss. C'est juste c'est que ça, les, ça. Les sessions marchands, c'est pas le truc le plus passionnant. C'est passionnant, mais j'ai envie de dire une petite courte session comme ça, après notre session RP sympathique aussi, faire un petit setup pour voir quelle est la prochaine mission, j'ai envie de dire, on a fait des sessions en fait, comme ça. Ce qui... En fait, ce qui aurait pu être sympa, c'est que si on comptait faire des achats, c'est le faire entre deux sessions, surtout que la pause était propice. Faudra qu'on voit ça la prochaine fois. Après, quand c'est en milieu de session, pourquoi pas, mais si là, c'était vraiment en début de session. Ouais. Enfin. Quels sont les plans ? Y aller tout défoncer ? Ouais, après tout, c'est ce que vous faites de bien. Aller à Eleanor, rencontrer les gars de... De Mr. Freeze. Comment il s'appelle déjà, là ? J'ai oublié son prénom. Mr. Freeze. Digimon. Comment ? Cerilo. Digimon. Arrête, Harper, j'entends pas. Cerilo. Cerilo, ok. Mr. Freeze, donc. Cerilo à Eleanor pour aller voir ses potes, et ensuite à Eleanor, aller voir Sigatnor pour voir trouver le... Comment il s'appelle ? Le pyromane. Le pyromane râle. Le pyraman. Pyraman. C'est mal à taille du rat. C'est mal à taille du briquet. La puissance okay, du briquet. Voilà notre futur voyage, je pense. Ok. À part si des gens ont des objections. La seule objection que j'ai, c'est pourquoi on amène Mr. Freeze avec nous. Et pourquoi je sais toujours pas, c'est lui, là. Mais là, c'est surtout parce que vous allez voir ses potes. Oui, aussi. Moi, j'aurais abandonné, j'aurais laissé ici, et puis voilà, on est bon. Bah pareil. Maintenant qu'on a récupéré d'autres stuff, paf, on tue. Voilà. Mais plus, hein, moi, j'aurais... Ça fait deux semaines que j'ai envie de lui caler une balle dans entre les deux. C'est quoi, je crois que je vais payer Myrtille pour qu'elle tue... Pourquoi la payer? Elle le ferait gratis, je crois. C'est pour la motiver. Et puis pour l'anonymat, je dirais c'est quelqu'un qui t'a embauché et tout. C'est pas qui. Oh, bon, bah du coup, on y va. Je veux pas te dire, mais lui, il a dit ta mère, c'est une pute. Alors, il a dit ça. Bah, allez, vas-y, bon, on retourne sur le bateau et c'est parti. Ouais. Ok. Très bien, très bien, très bien. Musique de Pirates des Caraïbes. Ah, mais non, je ne l'ai pas. Oh. Et puis j'aurais eu des problèmes de droits d'auteur avec Twitch. Nini. Non, mais il aurait fallu y aller avec. Non, mais tu mets de la nudité et puis c'est bon. Ah ouais, voilà. Je vais montrer mes tétés. On peut mettre des tétons, mais plus des musiques pas à nous, c'est quoi ça ? On peut pas mettre des tétés qui ne sont pas les tiens. Et oui, Loupi, ils veulent toujours tuer le rouquin, mais en même temps, la moitié du groupe est rancunier. Non, vous avez tous pris rancunier, bande d'enc... Non, moi, je ne l'ai pas. Non, moi, je suis héroïque. T'es un robot, on peut pas te croire, t'as pas d'âme. Mais c'est fini. Moi, les trois quarts de mes handicaps, j'ai envie de les changer parce qu'ils sont impossibles à jouer à chaque fois. J'ai impulsif et impitoyable, j'arrive. Moi, bon, j'ai en discuter après si tu veux, Golten. Ouais. Elle le trouve rigolo, le requin. Mais oui, moi, j'ai six handicaps. Moi, je sais pas pourquoi vous voulez taper, le rouquin. Il vous a rien fait, hein. Moi, oui. C'est juste parce que vous avez tué... La dernière fois qu'on a récupéré quelqu'un que j'ai dit ce serait bien de le faire travailler dans notre groupe, vous l'avez tué gratuitement, donc moi, c'est pareil. Et du coup, ça m'énerve. C'est pas celui, genre, au début, j'étais en mode « Oh, mais non, on va pas le tuer », puis à la fin, il est juste explosé la gueule. C'est ça. Bien. Est-ce que vous... Vous voulez décider, passer un petit peu de temps aussi avec votre équipage ou est-ce trop, de blabla, plus d'action. Trop de blabla plus d'action. Vous allez juste faire les blabla habituels. Il fait beau aujourd'hui. Moi de toute façon je me fais bully par l'équipage donc je sais pas si j'ai envie. Non mais là ça va, il te bully que quand il boit trop. C'est-à-dire tout le temps. Non, là, la dernière fois c'était une grosse fête. Attends, il y avait elle là qui était soigneuse là, me semble, non? Willa. Willa, que je regarde. Non, c'est pas Willa. C'est qui alors qui était soigneuse? C'était Safia. Plus.
Ah oui, non, mais elle c'était c'est juste une médecin, mais elle n'a pas de magie. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui était magie-soin. Quelqu'un. Ou alors c'était Nora, je sais plus. Non. Ah, je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était une Rosie... magicienne. C'est... Ah, de Rosie... Façon, Rosie a un sort de soin. Ouais, voilà, je vais apprendre à parler avec personne, donc... Pendant notre voyage, je vais parler avec Rosie pour qu'elle m'apprenne tous ses sorts. Enfin, tu sais, qu'elle m'apprenne les bases. Ok. Voilà, comme ça me donnera une raison. Et elle s'en donnera à cœur joie de t'apprendre la magie. Elle te racontera justement des histoires du genre dans mon pays, la magie, c'est interdit, on n'a pas le droit de l'utiliser, on nous chasse. Ah ouais, et elle vient d'où ? Arros. Ah ouais, non, mais ouais, c'est le pays des cauchemars là-bas, non ? Il me semblait que c'était un pays genre ultra totalitaire ou je sais pas quoi là. Non, ou, ça, c'est... dictatural. Non, ça c'est Drolika. Ouais. Ça, c'est Drolika. Et Arros, c'est presque pareil. Sauf oui, qu'ils voilà. sont moins racistes, mais ils le sont quand même. Ils sont conservationnistes. Ouais, racistes. Voilà, c'est ça. C'est des vrais vieux cons. Ouais, mais d'accord, mais j'aurais commencé à faire des connaissances avec elle, et puis voilà. Je m'intéresserai à son pays, tout le tralala. Je skip ça, on fera peut-être ça en session hors RP, peut-être, on verra. Ok. Hors RP, hors live. C'est ouais. Dire. Après, ouais, comme je l'ai déjà dit, si vous voulez faire des RP écrits, ouais. c'est possible. Mais moi, j'ai des atomes crochus avec personne, donc... On va trouver un robot, personne. T'inquiète. C'est compliqué quand une robot, tout le monde me considère comme un objet, donc... Parle avec la voiture, ça te fait un ami. Déjà, c'est ma voiture. Déjà, c'est ma voiture, je suis la voiture, je rappelle. Ah oui, c'est vrai. Moi, je dis, prochaine quête, on trouve un robro pour Salomon. Bah, en fait, oh, je pense que comme le truc est parti, vu comment je me fais traiter et par l'équipage et par le groupe, je pense qu'à partir du moment où on va être à Drelika, si ça se trouve, je vais juste rejoindre la famille de mon maître et dire, bah, il est mort, lol, je peux pas revenir chez vous, j'en ai marre. Bah, l'eau. Loupi me donne l'idée de une femme pourrait se servir de Salomon. J'ai pas envie que ça parte aussi cringe. Il a pas de, il peut pas servir à ça. Il a rien pour ce genre de choses. Pour l'instant. Techniquement, t'as des doigts. Ta bite et ta winch et t'y vas. J'ai une Winchester. Enfin bon. Enfin. Ça fait déjà un canon de plus que certains robots. Combien de temps va nous mettre le voyage ? À peu près une semaine en navire et peut-être 3 jours de marche. Bon, ben ça va. Mais pendant que je veux. Ah, bah non, pardon. Je disais 3 jours de marche, mais vous allez peut-être utiliser la bagnole. Oui. Bon, il y en aura un qui sera dans le coffre, mais bon. Bah, ce sera le robot, hein. Bah non, c'est Mirti. Il a pas besoin de confort, le robot. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, mais c'est moi qui conduis. Merci pour la Et Mirti, c'est mieux qu'elle soit dans le coffre. Ça posera moins de soucis si on vous voit. Je préfère qu'on s'en fout du confort de Mirti. Il faut juste pas qu'on se fasse conduire avec un entrevent. Après, de ce que j'ai envie de dire, maintenant tout notre groupe est recherché. Donc. Oui. Je peux conduire. Oui, mais on attire moins l'œil s'il n'y a pas d'entrevent. Bah, Mirti, en général, on voit pas que c'est l'ombre parce qu'elle a la capuche. Ah oui, c'est vrai qu'elle est surtout que maintenant, elle a la capuche d'hiver, donc c'est encore plus... Et maintenant, elle a une capuche encore plus capuche. Je vais juste aux toilettes très rapidement, et je reviens. Ouais. Non, moi je dis, les organiques, ils ont besoin de confort, pas les mécaniques, hein, désolé. Le robot dans le coffre, hein. Puis moi, je vais conduire et je vais boire avant, parce que c'est important. Mais de toute façon, c'est le robot qui conduit, donc toi, tu oui. Bah oui, sur la banquette, tu sais pas conduire. Oui, mais il a pas de carte civile, le robot, donc il a pas de permis. Mais c'est sa gueule, son permis. C'est le mec. En fait, je n'ai rien, je n'ai pas d'idée en conduite non plus, c'est juste que ça m'a plus que ce soit moi qui conduis que vous. Moi, j'ai un idée en pilotage d'avion. Ah mais non. Non, il est comme moi. Personne n'a de dé de conduite. Putain, je suis le seul à avoir un dé pour conduire quelque chose. Non, moi je peux conduire des avions. Ah putain, t'as pilotage. Ouais. Parce que pendant mon temps libre, j'adorais aller dans les airs. En buvant. Monter en l'air, tu vas voir. Ah, moi je peux t'envoyer en l'air si tu veux.
Non mais t'as déjà suffisamment fait envoyer en l'air des gens. Hein. Attends, je vais envoyer en l'air Rosie, moi. Oh, j'ai cru que t'allais parler d'un autre PNJ. C'est une demi-elfe, on dirait, là, je sais pas, les oreilles pointues. Là. J'ai cru que t'allais parler d'un autre PNJ, ça allait pas être bon, là. D'ailleurs, oui. Tu dis de faire venir un robot bro, je pense pas que ce soit une bonne idée, parce que si vous en faites venir un autre, il va se faire bully lui aussi, et en fait, on va juste faire iRobot, on va se rebeller. Ouais, du coup... J'ai acheté un robot juste pour faire chier Godin. Vous mettrez, comme je l'ai dit, une bonne semaine en navire et puis en voiture pour aller jusqu'au lieu où vous a guidé Cerilo. Ça vous prendra à peine une journée. Oui. La voiture ne pourra pas aller, bien évidemment, jusqu'à l'endroit prévu. Il va falloir marcher un petit peu. Et je... Avec la voiture ? Marcher sans la voiture, du coup. Ah, d'accord. Donc on l'abandonne vers où ? Bon, genre quelques kilomètres plus loin, parce que la route ne va pas jusque-là. Ok. Je garde les clés du contact à l'intérieur de mon corps. Tu fais pas faire un jet parce qu'il sait pas conduire, lui ? Non, là, il n'y avait pas besoin de faire des jets. Il n'y a pas des gros... En fait, les jets de conduite, t'en as besoin que lors des poursuites. Grosses manœuvres, tout ça. C'est pour ça que c'était pas grave que ce soit moi qui conduis. Bah alors c'était pas grave que ce soit moi qui conduis aussi. Oui mais je suis la voiture. Non mais si c'est un problème parce que toi t'es bourré. Non. C'est la société qui dit que je suis bourré, c'est différent. Écoute, le corps humain est composé à 80% d'eau, toi t'es composé à 90% d'alcool. Bah oui. On pince ton nez, il y a du Saint-Émilion qui en ressort. C'est ça. Donc on arrive à... Quand tu parles, ça sent le château la pipe. Ah, peut-être pas celle-là. Peut-être celle-là. Voilà, c'est... En fait, vous êtes en train de charger la map. Ouais. C'est... Tous. J'étais en train de manger tout seul, genre, c'est par là, et en fait... Bah... Oula, c'est dégueu de feu, cet endroit. Non, je rigole. Alors, pour la description, en attendant quand même Harper, c'est rigolo. Oh, un champ de légumes. Ah oui, mais la map. Oui, là, en attendant que tu charges la map. Donc, pour la description, vous avez marché quelques kilomètres, puisque la voiture ne peut pas franchir cette zone un peu chaotique. Vous approcherez doucement de ce qui ressemble, et ce qu'il vous a décrit d'ailleurs, comme étant une taverne abandonnée depuis un bon moment, qui servait à une lointaine époque de point de passage entre deux régions, entre deux villes. Il manque un point de passage. Ah oui, bah ça a été abandonné. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Effectivement, à votre... gauche, du coup, en arrivant, bon, il y a un semblant de champ qui n'est plus du tout cultivé. Ouais. Cultivé, hein, il y a même plus de fruits, de légumes ou quoi que ce soit. C'est juste des mauvaises herbes. C'est juste de la mauvaise herbe et tout le bordel. Quelques arbres qui ont poussé même. Il serait temps de s'occuper de ces mauvaises herbes. Ce n'est pas très propre. Tu as bien raison, Salomon. Et en face, donc un lieu pas mal délabré, mais les murs tiennent encore. Et les fenêtres ont tous les rideaux fermés. J'ai dit, vous êtes sûr qu'il y a encore des gens? Parce que là, c'est... Oui, c'était un point de rendez-vous. D'accord. Il y a une cheminée. Pourquoi tout est fermé, là? Il n'y a pas de cheminée. Ou en tout cas, ce qui ressemblait n'y a plus. Et puis elle est toute petite. Alors je vais regarder, je fais. C'est un truc de pour se retrouver. Il y a des pièges ou pas? Non. Mais il est possible que mes camarades soient sur leur garde. C'est solide ce bois? Non, pas trop, non. Ouais. Ça, c'est un puits qui a été refermé. Ah! Heureusement qu'elle peut grimper. J'ai dit, attends, mais peut-être qu'il faudrait mieux que ce soit le requin, là, qui... Je toque avec fasse... lui. Il toque à deux. Allez, viens. T'as juste lui, t'es un poc-poc à côté, blablabla.
Alors, t'es en train de frapper à la porte, du coup? Ouais. Dit oui. Ouais. Gendarmerie, c'était pour les calendriers. Parce que tu t'es éloigné de ton micro, Harper. Non, depuis tout à l'heure, j'ai pas bougé de mon micro. Hein. Et Cérino, dans son coin, il va faire un autre toc-toc, mais un petit peu plus le toc-toc secret, quoi. Bah oui. Et vraiment, t'as juste un... Je peux pas dire, mais il y a Murphy qui arrive à entrevoir à travers les trous des volets. Oui, justement, c'est fait exprès. Et puis, c'est des rideaux. Lui, c'est celui que je voulais tuer pour aucune raison particulière. Alors, les deux... Attends, que je décrive. En ouvrant la porte, comme tu avais frappé en premier, ils ont eu l'air de s'être précipités en ayant renversé la table et prêts à tirer avec une arme. Notamment... Le coup de pression. Notamment le loup... Attends, lui, il a pas grand-chose. Le loup, lui, qui a une Thompson. Et où? Il a changé, toi. Je me mets à couvert, par effet. Pas de private joke. Je suis peut-être un tank, mais bon, je suis pas suicidaire non plus, quoi. De quoi t'as dit, Ren? Pas de private joke, Nakai. Non, allez. Et après, bah, en voyant Cérilo, il se redresse un petit peu plus confiant, mais un air de méfiance. Cérilo, t'es de retour? Avec de la compagnie, est-ce que je vois? Grâce à mon éternelle bonté. C'est bon, ils ont rangé leurs armes? Non, mais bien. Et en rentrant d'ailleurs, Nakai, à ta gauche, bah, y avait lui qui était en mode furtif, mais avec une grosse hache. Tu sais, c'est quand je vois, je tourne juste la tête lentement dans sa direction. Il aurait tapé avec la hache, ça aurait brisé sur sa nuque. La hache, ça serait brisé. Et il te lance un regard volarien que tu ne connais que trop bien du collègue volarien. C'est vraiment le truc de sorceleur, t'es le... Je pensais que t'allais dire, il est en train de... Ouh, beau muscle. Moi aussi. En posant sa hache presque plus grande que lui sur ses épaules, genre... Et comment il se déplace avec... Bah sur les épaules. Qui passe c'est juste très pratique. Je change mon penchant amoureux d'un petit. Bon, les copains, je suis content de vous revoir. Bah, on est aussi content de te revoir, Cérilo. Tu nous présentes à tes nouveaux camarades. Je vous laisse vous présenter, du coup. Moi, j'ai juste m'avancé. J'ai pointé lui là. J'ai ah, c'est là, le moment. Ah, zut, t'es rentré. J'allais dire, tu jettes tes grenades. Bon, désolé, hein, on n'accepte pas les machines. Avec de toute façon, je m'attendais à ce que quelqu'un le fasse, donc c'est pour ça que j'attendais. Le mécanophobe. C'est ça. Ben, il joue bien le côté raciste envers les robots. Ben, c'est pas vraiment raciste, c'est juste que les machines n'ont pas d'âme, quoi. Tu es un outil. Voilà. Voilà. Tu as autant d'âme qu'un tournevis. Un peu plus pratique quand même. C'est donc ça la forme finale du tournevis Sonic du docteur. Dans les Sonic, il fait du son. Je découpille ma fumigène et je la mets dans la gorge de Brutus. Brutality. Bah quoi, je suis un tournevis, il risque pas. Y a l'autre du coup ici qui va dire ah, mais je les reconnais, lui là je le reconnais. C'est un bon gars. Bah encore heureux que je suis un bon gars. La preuve, ton pote il a encore envie. Le buveur de café. Mais si j'avais su que c'est... Ah mais c'est vous, l'émeraude. Oui c'est nous. Oui c'est nous. On vous l'a fourré sous le nez. Mais d'une puissance. Il se rapproche et il te serre la main genre quand même bien wesh. Bah moi aussi je lui serre la main hein, petit. Allez, en mode Schwarzy et l'autre dans Predator. Les muscles. J'ai... Moi, je pense que je dois lui broyer la main parce que moi c'est un serrage de main standard pour moi quoi. Un petit peu. Ah pas si fort. Titre. Piètre Dieu. Donc c'est ici que vous vous terrez.
Temporairement, bien évidemment. C'était le temps qu'on se retrouve, mais bon, visiblement, on a déjà un de nos camarades qui est dans de sales draps. Ouais. Il a pas été malin. Ou alors on a été plus rapide que lui. On va plutôt juger sur... On va plutôt compter sur la rapidité et peut-être un peu la chance. Quoi qu'il en soit, c'est le résultat qui compte, comme on dit. Tu vas rester derrière ta table tout le temps ou... Ah ouais, la table, il l'a remise, il s'est rassis. Ah, ok. Ah, Thompson, toujours sorti quand même, au cas où. Hein. Mmh. Bah, tu sais, moi j'ai mon Merlin sur l'épaule, donc. Ras dira à Brutus qu'il va faire. Qu'il va monter la garde dehors, parce qu'il est pas. Il n'est pas non plus complètement confiant. Donc, il va sortir. Ras va sortir, il va se caler sur le toit et va regarder les environs rapido. Vas-y, donc. Je regarde comment se passe cette discussion. Il y a le petit ici qui s'assoit tranquille sur le bar, et lui il se rassoit sur une chaise tranquille à siroter quelque chose. Et oh, ce bruit de porte est génial. Il est incroyable. Ah ouais. Oh, il suffit. Ah, il ferme la porte. Du coup, Ras fermera la porte derrière lui. Moi, je suis de toute façon toujours avec ma Winchester. Quand on est en déplacement, je suis toujours avec la Winchester qui est déguidée. Bien. Il y a le loup qui du coup se présentera. Enfin, le chien. Je m'appelle Ran. Enchanté. Mais. Nakai. Enchanté, Nakai. J'imagine que vous n'avez pas ramené notre camarade pour rien et que vous avez très certainement une idée derrière la tête. Bah ouais. Rejoignez mon équipage. Ouh, il est direct. Rejoignez ma grande gueule. Rejoignez la grande gueule. Vous voulez qu'on rejoigne votre équipage? Ouais. C'est tout? On n'est pas si mauvais qu'on en a l'air. Ouais, c'est tout. On n'est pas si mauvais qu'on en a l'air. Et puis, toujours intéressant d'avoir des gens en plus. Bien. Ça aurait pu être une offre alléchante d'une part, mais d'une autre, nous ne sommes pas très marins, on préfère rester sur Terre. Ça tombe bien, nous non plus. Alors, on va faire quelque chose au clair. On est des pirates. Peut-être. Cependant... 10 points pour Gryffondor. Que pied en mer. Cependant quoi, j'ai pas entendu. On est plus pied à terre que pied en mer. Disons que notre bateau nous sert plus de maison et de moyen de locomotion. Je vois. J'ai quelque chose à vous proposer. Mon équipe, on est plus du genre à agir en équipe, mais nous cinq, disons. Après, il n'est pas inintéressant d'avoir des alliés et de pouvoir s'entraider mutuellement sans faire officiellement partie d'une même équipe. Disons que si jamais un jour l'un comme l'autre a besoin d'un coup de main, ça pourrait toujours être discutable. Est-ce qu'on fait un groupe quelque part qui nous ramène à... Comme dans Fable, t'achètes un autre commerce pour avoir de l'argent. Ce que je vous propose plus clairement, c'est plutôt que de rejoindre votre équipage, moi et mon groupe, que nous fassions équipe. Nous échangerions des informations par-ci par-là quand cela sera nécessaire. Une entraide. À la simple condition que vous nous aidiez à récupérer notre camarade manquant. Ça me va. Mais là, pour le moment, on a d'autres marrons sur le feu. Un mauvais jeu de mots. On doit essayer de choper ce pyromane. C'est quel marron ? Je vais t'en mettre une de marron, tu vas voir. Des criminels chasseurs de primes, j'aurais jamais cru voir ça.
Ouais, façon de parler. On va en plus offrant. Après, c'est surtout quelqu'un qui nous a fait du mal, donc on aimerait bien. Oui, aussi, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai que il y a un background chargé et on doit aller lui péter sa gueule à lui aussi. Ouais. Après, d'une pierre deux coups. Mais voilà, c'est surtout que notre cher ami a perdu ses parents à cause d'elle, de cette personne. Je vois. Ce n'est pas l'appât du gain qui vous apporte sur ce genre de mission, mais plutôt la vengeance. Je comprends. Disons que le gain est en seconde zone. Il vient juste après. Ça fera du bien en plus à toute la nation de se débarrasser de ce Ménol. Il s'appelle. Oui, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ok. Attends, je note sur un truc, moi. Ménol l'éthanol, bam. Pardon. Voilà, j'ai le faire. Drop the bass. Ah, son pseudo sur Discord, c'est Lethal Nol. Mais en plus, c'est les trucs à la Kika, ça avec un énorme dérapage de flammes derrière. Ah oui, c'est Ménol, j'avais déjà écrit en plus. Blanche lunette d'aviateur qui chevauche un dragon d'un. C'est vrai qu'il est tellement petit. C'est-à-dire que pour lui, genre une... comment ? Une... merde. Une allumette, c'est une torche ? Un peu, ouais. Un jour, je ferai un JDR, vous jouerez des souris. Non, c'était mon idée, ça. Le gars, tu le mets sur une cuisinière, c'est l'enfer pour lui. Hey, franchement, tu fais un Pathfinder où on joue que des hommes rats, mais on fait une horde de porte-peste. C'est l'escaven. Hein. Putain, on fait une horde d'escaven en porte-peste et en crash-peste. Hein. Équipement full malpierre. Mais je fais pas de Pathfinder, moi. Ouais, du coup, vous auriez des informations sur lui, d'ailleurs ? Sur sa dernière position, peut-être, parce qu'on a vu qu'il était pas loin. Notre dernière information sur lui, c'est qu'il serait sur Silent Nord. Ouais, il y a eu un incendie la semaine passée dans les environs. Il doit pas être bien loin, je pense. Le souci, c'est que de ce qu'on sait et de ce qu'on a pu entendre de certains mercenaires, c'est pas le plus évident à traquer. Il est fourbe et lâche. Il est intraquable, mais la seule chance que vous pourrez avoir de le croiser et d'avoir un face-à-face avec lui, ça serait sur son terrain de jeu. Yeah. Les forêts incendiées. Putain, va falloir qu'on foute le feu à une forêt pour essayer de l'attirer. Non, il se rendra pas dans un endroit déjà en feu. Du moins, on n'a jamais essayé cette technique. Une forêt incendiée, techniquement, il n'y a plus rien à brûler. Ouais, c'est qu'il est en train de le brûler. C'est qui lui prend son travail. Et puis c'est pas dit qu'il soit dans les parages à ce moment-là. Non, bon, peut-être qu'au contraire... c'est juste que si vous voyez un incendie, vos meilleures chances seraient de vous risquer dedans. Bon, ou alors, on va à une caserne de pompiers et dès qu'il y a une alerte, on les suit. C'est une idée, mais il me semble que rester proche d'une caserne de pompiers n'est pas la meilleure des idées pour vous. Ils sortent des affiches avec vos têtes dessus. Oh, je vaux combien ? Moi, je suis Tony Chopper, j'ai une prime à 50, je crois. Le robot, il a pas de prime, c'est un outil. Justement, c'est ce que je dis, Tony Chopper dans One Piece. Il a une prime à 50 et les autres, ils ont des primes à 50, 100 millions, 200 millions. Yes. Et c'est des primes plutôt... Enfin, ni trop élevées, ni trop faibles non plus. C'est pas des primes que vous avez, c'est plus des avis de recherche qui sont... Mort ou vif. Non. Démontés ou en qui sont uniquement distribués aux policiers. Genre plus des signalements que... Ouais, wanted. Il n'y a pas de prime, c'est juste que la police qui vous... Et ça. Et question, ça, on est au courant de ce genre d'affiche, il n'y a que les flics qui en ont. Ouais. Je pose mon Merlin au sol de manière menaçante. Non, mais c'est pas un flic. Il y avait aussi Katniss qui les avait. Ah. Katniss qui était au courant, elle n'avait pas les affiches. Ouais.
Oui, voilà, elle avait pas les affiches. Non, mais après, les affiches, bon, bah, tu les trouves au commissariat, quoi. C'est... Bah non, c'est... À mon avis, c'est disponible pour tout le monde, hein, à mon avis. Non, justement, il a dit que c'était uniquement disponible pour les flics. Bon, après, c'est des voleurs, les mecs. Ils volent ce qu'ils veulent. Hein. J'ai envie de dire, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mon... Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? C'est des affiches de flics. Comment vous les avez eues? Pas si grand que ça, le croco. Disons que voleur est un passe-temps. Mais t'inquiète pas, mon grand. Je compte pas te traquer. Voilà. Ça serait bien le dernier truc que tu ferais. Un ripou. Je l'avoue. Avec cette Thompson, là, c'est quoi ce cahier dans carton? T'aurais dû faire un hibou. Un ribou. Ribou. Oh, putain. Le ribours. Mais il y a là, le ribou. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Rendez-vous! Ren? Ouais? Du coup, moi, en faisant mon tour, est-ce que je vois quelque chose? Est-ce que le terrain a l'air sécurisé? Est-ce que... C'est calme. Très calme? C'est trop calme? Non, c'est juste calme. Il y a des oiseaux qui chantent et qui se préparent pas pour la migration parce qu'on est encore en plein été. Des abeilles qui bourdonnent, tu te fais agresser par une guêpe. Ah, les abeilles! D'accord. Et là, t'entends un tir pour une abeille. J'ai vraiment fait l'entièreté du tour du terrain. Est-ce que t'as vu. Bah non, t'as pas entendu, tu peux pas savoir. Bah... Tu vas juste entendre. Rax! On a besoin de toi! Est-ce que j'ai vu un Loenki? Non! Non! Bah, y'en a un en face. Une fumée à l'horizon! Que voient tes œufs d'aigle? Ça, c'est vraiment la cache, et puis juste d'un coup dedans, t'as juste Obélix qui beugle. Qu'est-ce que je vois? J'ai pas entendu ta phrase. De la fumée à l'horizon! Ah, est-ce que je vois de la fumée à l'horizon? Non. Quoique. Perception. Je te donne tous mes bénis pour que tu le réussisses. Ah, bah c'est bon. Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est pas assez? Vas-y. Dans la fumée, il y en a effectivement encore direction est. Après, comme Cerulea est un grand continent avec beaucoup de forêts, les incendies de forêt, ça peut durer très longtemps. Ok. Mais si on brûlait toutes les forêts, il n'y a plus à forêt à brûler. Yes. J'avoue, s'il a fini de brûler toutes les forêts, parce que bon, techniquement, une forêt, pour que ça repousse une vingtaine d'années, une souris, ça fait quoi, 10 ans? Yes. C'est pas une vraie souris. Mon fou, yes. Laisse-moi mon raisonnement. Si il brûle toutes les forêts, mec, il fait quoi? Il s'immole ou ça se passe comme moi? Il va passer à autre chose que des forêts. Bah du coup, une fois que j'aurai fini mon tour, je rentrerai à nouveau. I'll be back. Challenge, cramer l'eau. L'eau, ça brûle. Parce que l'alcool c'est de l'eau. Ah bon, si t'étais composé à 60% d'alcool, je pense que tu serais mort à l'heure actuelle. Ah oui, mais c'est mon plus faible le feu. C'est ton passif. Il souffle. Non, mais en fait, je suis sûr. Le but final de Brutus, c'est de devenir un élémentaire d'alcool. Brutus est un nouvel élément du tableau périodique. Le Brustol. Enfin bon. J'imagine, tu voudrais avoir ton propre alcool, mais si tu es recherché, tu peux pas avoir ton propre alcool. Et s'il met son sang dans une bouteille et qu'il boit son sang dans une bouteille. Je crois qu'il y a Raz qui parlait du coup. Rien à signaler à part de la fumée au loin à l'est. Fumée bien noire. Ouais. La fumée bien noire. Assez loin quand même à l'est, mais. Oui, c'est loin, mais. Bah, on pourrait s'y diriger pour aller voir ce que c'est. Ouais, c'est ça juste un feu de camp. Non, c'est une grosse fumée. Grosse, ouais. Est-ce qu'elle est large ou est-ce qu'elle est pas large? Grosse large. Elle est très loin. Loin, grosse, non, large. Et... Ok. Ouais, donc c'est pas un feu de camp, quoi. Bah, allons-y tout de suite parce que si on perd du temps, il risque de s'enfuir. Moi, j'essaie de pousser les gens pour. Allez, les mecs! Parce que à tout moment, il peut s'enfuir. Ah bien. Bah, bon courage, messieurs.
Vous viendez pas ? Non, nous on chasse pas les criminels. Bon, toi par contre. Viens. Non, par contre vous nous le laissez. On va avoir besoin de lui aussi. Et voilà, c'est parti. Bon, enfin, tout vas-y, reprenez-le, allez-y. On a c'est parti, il va y avoir la passerelle. Un connard de flamme. Elle ne vous sera pas utile là-bas. C'est dingue, hein. Comment je m'y attendais, c'est fou. Tu pensais qu'on allait le garder comme un Pokémon. Oui. J'ai été sûr, moi. Je vous attends dehors, là, en bas de la colline. Je fais, bon, de toute manière, on est potos, collaboration, tout ça, ça arrive. Salomon, on va voir. Derrière toi. Allez, monsieur capitaine, il faut y aller maintenant. Allez. Il faut rendre l'argent. Je sais que tu vas rencontrer des partenaires repentants. À un moment, il y a le petit qui se met debout sur le bar, qui te tapote sur l'épaule. Date en 06. Il se met à... du coup, tu fais sa taille, effectivement. Si jamais on a l'occasion de se recroiser, on se tente un petit duel. Ouais. Je crois qu'il allait se dire, tu veux être mon copain. Tu veux être mon copain. Je m'attendais à un truc, mais je pense que c'est parce qu'on est tous corrompus. Tu veux être mon copain. Non, bah, je te serre la main, forcément, mais qui propose un duel. Mais je suis pas sûr que ta hache soit bien utile. En lui serrant la main. Que tu crois, il a une sacrée poigne pour sa taille. Ça me plaît. Les gars, il a un D12 en force. Il a un D12 plus 2 en force. Il peut pas avoir. Il a un D24 en force. Il a une taille moins 1, il ne peut pas dépasser le D10 en force. Il a un D10 moins 1. C'est un PNJ. Bon, bah alors va falloir qu'on prépare un seau d'eau. A plus tard. Préparez un cercueil. Une et boîte d'allumettes. Je porte. J'aurais dû prendre de quoi pouvoir faire des pièges. J'aurais dû prendre des pièges, j'aurais piégé la porte. La porte s'enfonce de 2 cm. La porte s'effondre. La baraque s'effondre, tout le monde est écrasé, tout le monde est mort. Et du coup, quand ils sont tous réunis, je leur montre, enfin je leur pointe là où il y a là où j'ai vu la fumée. C'est parti. Et on essaie de rejoindre la voiture et d'y aller au plus vite, à moins que ce soit plus proche à pied, mais je crois qu'en voiture ce sera beaucoup plus rapide. Très loin, donc vaut mieux y aller en voiture. Bien. Allez, à la Mystery Machine. Bien. Connais parce que Bidou, nous on te suit partout. Le temps du voyage, est-ce que vous avez des plans d'action? Oui. Moi je veux rentrer et taper. Ancestral qui s'appelle le contournement par le milieu. Coup de boule inversé. Connu aussi sous le nom du détournement frontal. Ok. Je croyais que tu allais vous faire une fillon et détournement de fond, là. J'aurais proposé que. Ouais, mais non, parce qu'il y a de la fumée, ça va brûler. Tu peux voler, c'est haut, toi, ou pas? Ben, dans tous les cas, voler, la fumée, ça monte, donc ça va être compliqué. Au moins, essayer de voir la source, enfin, ou la fin de. Enfin, okay, de voir oui, la source. Je peux voler en dehors de la zone de brûlure, oui. Je peux tenter d'évaluer les environs, effectivement. Si tu vois un petit truc qui lance des flammes, voilà, tu le verras vite, à mon avis. Enfin, j'espère. Un endroit où les flammes sont plus intenses. Ah, voilà. Je vais demander, je pense, un petit jet d'intellect à chacun. Et moi, je vais prendre... Ah, mais non, il n'y a pas... non, le puits... On peut pas prendre de seau d'eau. Ah, je sais pas, ça serait très utile. C'est bizarre comme mot à dire en une seule fois. Hein. Donc, tout le monde a que j'ai réussi mon jet d'intellect. Tout le monde a un jet d'intellect. Ouais. Il y en a que deux qui ont compris, je crois. Myrtille. J'écoutais pas. Oui. J'allais te dire que t'allais avoir un petit plus hein, sur le jet, toi. Ah, c'est donc, jeu de quoi, intellect? Ça me fait un 4 alors. Ouais. Ah bah j'ai fait 4. Bien.
Donc, sur le chemin, vous allez commencer à discuter de votre strat et aussi de quelques petits problèmes que vous risquerez de rencontrer. Race, avec ton œuf, ben, y a un truc qui va être particulièrement délicat, c'est voler en pleine forêt incendiée, ça risque d'être très compliqué à cause des fumées. Même sans voler, déjà, ça risque d'être compliqué. Le danger principal, ça sera pas que le feu, ça sera aussi les inhalations de vapeurs toxiques. C'est un point. Pour remédier à ça ou pour limiter les dégâts, des tissus... Un tissu mouillé autour du pif, ça aide beaucoup. Myrtille, avec ton jet, toi, tu vas rencontrer, et toi particulièrement, un autre souci. Deux soucis, même, je dirais. Ah bon ? Quoi donc ? Le premier, le plus évident, en tant qu'emprevant, tu as une faiblesse environnementale au feu, mais aussi, enfin à la chaleur, mais aussi au froid. Oui. Donc, la moindre attaque de feu, ça risque de te faire très, 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 très mal. Le deuxième souci, c'est que tu as une vision un peu particulière, contrairement à tes camarades. Oui, c'est vrai. Une vision thermique. Tu risques de ne pas voir grand chose. Je peux souligner un troisième problème qu'elle pourrait avoir. Vas-y. La toile, ça brûle. Ces toiles. Ouais, ça brûle, ça. Ça peut être un problème, tout comme ça peut être un atout. Ça peut être un avantage. Si on le trouve et qu'elle lui fait un enchevêtrement ou un truc comme ça, il est cramé. Hein. Parce qu'il n'est pas insensible au feu, j'imagine. Hein. Salomon et Brutus, je vais vous faire les mêmes, à peu près la même remarque. Non, Brutus, toi, ta remarque, ça va être l'alcool, ça va être dangereux là-bas. Ouais, mais c'est pas grave. Et Salomon, le principal souci aussi, c'est que vous savez que Ménol chevauche un dragon nain, et que s'il a été décrit comme étant fourbe et lâche, l'avoir au corps à corps sera un défi. C'est pas grave, je suis pas au corps à corps. Oui, non, mais c'est aussi pour tes camarades. Ben, je m'en fous d'eux maintenant. Ils se débrouilleront. Le micro-ondes est vexé. Voilà. Et en plus, ils cherchent. Ben, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'il sera surtout à distance et non au corps à corps. Principalement à distance, dans une zone en plus où la fumée sera épaisse et va réduire la visibilité. Ouais, et un ennemi de petite taille. Donc il sera particulièrement difficile à toucher. À toucher. J'ai tellement bien fait de prendre le balayage. Il y a quoi comme action qu'on peut faire avec les flingues déjà ? Tirer. Oui. Ouais, mais... recharger, viser. Tirer. Je crois que j'ai une idée. Si tu vises, si tu prends un tour pour viser sans bouger et sans faire d'autres actions que ça, soit tu as un plus 2 sur le toucher, soit tu peux ignorer 4 points de malus. Tu peux aussi faire un machin pour augmenter ta cadence de tir, il me semble. Certaines armes. Avec certaines armes, mais sinon c'est des multi-actions. Tu peux faire deux actions pour tirer pampan, mais sur certaines armes qui ont des cadences de tir plus élevées, tu peux faire ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah oui, ouais, voilà, c'est ça que je pensais. Mais là, tu ne peux pas. Voilà à peu près tout, le topo. Ça prend en train un défi, mais au moins si on peut avoir la tête du. Ouais, du truc. La tête du bonhomme. Ce serait mieux qu'on reparte avec sa tête, mais au moins qu'on puisse la voir, c'est déjà ça. Quoi qu'il en soit. Bah déjà qu'on s'en sorte vivant. Si vous avez un plan d'action, je vous laisse réfléchir, il faut que j'aille aux toilettes. Ok. Myrtille a un plan d'action de purée, je vais rien voir. Myrtille pourra fournir, si vous le souhaitez, de la soie d'araignée pour vous faire des masques. C'est pas contre elle. Raz va préférer plutôt prendre un tissu. Ouais, pareil, j'ai pas envie que ça me crame le pif. Bah, les tissus, ça crame aussi. Hein. Oui, mais un tissu humidifié, ça cramera déjà moins que. Peut-être, mis à part si ça toile est.
Je crois pas qu'elle peut donner des aspects de résistance. Ouais. En tout cas, pas comme après, ça. Techniquement, tu peux faire. Après, techniquement, c'est vrai que tu peux faire des. Tu peux faire. Tu peux en faire un sort. Mais et puis, et puis, elle est pas bricole. Elle est pas super bricoleuse avec sa toile non plus. Hein. Tiens, c'est peut-être ça que j'aurais dû prendre, un truc de bricolage. Mmh. Mais elle est pas super bricoleuse avec sa toile non plus. Elle fait du. Elle peut faire du petit fil, genre pour déconner ou pour faire des jolies formes avec. Mais J'imagine que les masques. Et quoique, les masques à gaz, est-ce que ça existe dans ce monde, vous pensez? Je sais pas, mais elle peut pas te faire un masque de Covid avec sa toile, en tout cas. Je crois que ça existe, hein. Ren, ouais. On a une petite question. Est-ce que les masques à gaz, ça existe? Oui. Parce qu'on pensait, potentiellement, avec la toile de Myrtille, qu'elle fasse un... Elle a définitivement pas la capacité de faire un truc aussi complexe qu'un masque à gaz. Non, pas forcément un masque à gaz en toile, mais un truc, un truc avec la toile tissée, de que ça fasse filtre. Faire ok, ça va filtrer. Elle peut faire une protection en toile, mais genre un tissage de masque ou un truc comme ça, je... Elle ne pourra pas encore bricoler, elle n'a pas les atouts pour. Ok. Mieux vaut prendre un linge humide, oui. Si vous avez du linge humide. On va revenir. Et après réflexion, pour ce qui est de ton infravision, ta vision thermique, ouais. Tu pourras quand même distinguer des choses, mais ça sera juste plus compliqué. De toute façon, ça sera compliqué pour tout le monde avec la fumée. Si tu mets des lunettes de soleil, c'est bon. Et en fait, sa vision thermique, c'est sa seule vision ou c'est une vision alternative? Non, c'est sa seule vision. Ok. Tu ne distingues pas les couleurs, mais enfin pas directement, tu distingues les rayons de chaleur. Elle voit les parties intimes de tout le monde, quoi. Tu vois quand quelqu'un a kiki bâton, effectivement. Mais bon, ça la fait bien marrer. Les couilles. Ok. Ouais, bah du coup, on va tous se prendre du tissu, on va tous imbiber le tissu d'eau, et puis voilà. Ouais, et puis on va se mettre avec ça. Et non d'alcool. Brutus aura tout compris. Et c'est là que Brutus il se plante et il se dit putain, mais l'eau c'est dégueulasse, il va imbiber son tissu d'alcool. Alors, ce que je vais faire, vous allez trouver ça con, hein, mais je vais faire peut-être même un jet de discrétion s'il faut pour. Je vais même imbiber d'eau. Où il y a mes lèvres, je vais mettre de l'alcool dessus. Ah mais en vrai, même si Raste voit, il te laissera faire. Ah mais il te laissera faire. Démerde-toi dans tes conneries. Ah mais oui, mais voilà. Je voulais le faire dès le départ, je me suis dit si on fait ça. Bah on voit de vrai, ouais. Juste quelques gouttes sur le mouchoir là. Vous inquiétez pas, c'est imbibé. Mais qui... ouais, c'est toi qui es surtout un imbibé. Non, c'est imbibé. Un bibin d'homme, ouais. Bien. Bon, vous allez mouiller vos mouchoirs. Vous avancez, vous allez rouler pendant quelques temps quand même, peut-être une ou deux journées. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est bien, bien loin. Faudrait que je regarde la map. En vrai, c'est peut-être dans cette zone-là. Oh, une journée, ouais, plutôt. Une demi-journée. Et bon, viendra quand même le moment où avancer avec la bagnole, ça sera pas trop possible. Parce que là, je prends feu. Bah non, c'est surtout que déjà il y a l'accès à la forêt, même si elle est pas encore, même si la partie que vous avez rejoint n'est pas encore enflammée. Ok. Je vais revenir sur cette map là temporairement. Vous voyagez dans cette magnifique forêt qui, vous voyez au loin quand même la fumée, les quelques rayons des flammes qui, enfin la lumière des flammes qui jaillissent un petit peu plus loin. Vous commencez même à ressentir la chaleur et voir quand même quelques animaux qui se sont déjà barrés depuis un moment ou qui continuent de fuir. Ras, c'est ton moment. Ouais, bah avant qu'on, ouais, avant d'arriver du coup là où ça brûle. Bah, en fait, ouais, vas-y, finis ta description. Pardon, on t'a coupé. J'allais préciser que à l'entrée de la forêt, vous tomberez sur un gars, visiblement un mercenaire,
allongé contre un arbre, visiblement mal en point. Brûlé, fortement brûlé quand même. Ben, je me dirige vers lui, absolument en courant vers lui. Je fais, tout va bien? Puis j'essaie de voir si je peux le soigner, etc. Il se retourne, la gueule complètement, complètement brûlée. Non, connard, tu crois que je vais bien? J'essaie de le soigner. Achève-le! Attendez, achève-le! Ok, tu peux faire un petit jet de soin si tu veux. Ok, je fais ça. Je vais mettre de l'alcool à 90 degrés sur son visage. Non, mais sur les blessures, pourquoi pas. Il a quelques plaies cicatrisées. Non, quand je relance. Avec le feu. J'en ai marre que les gilets de soins ne fonctionnent jamais, je relance, rien à foutre. Il n'est pas d'Aston. Ah, merci, enfin. Au moins, il fait des doubles. Alors, tu prendras quand même. Tu arriveras à trouver un petit tissu et sacrifier un petit peu. J'ai une trousse de soin si jamais. Oui, mais sacrifier aussi un petit peu de ton eau. Pour, là, c'est surtout ce qu'il a besoin, c'est d'être réhydraté et de calmer un petit peu les plaies. Ça fait pas des miracles, mais il se sent déjà un poil mieux. Ok. Et tu penses au passage à quelques plaies qui ont un peu cicatrisé, que tu désinfectes aussi. Ça picote, mais bon, il a connu pire il y a quelques temps. Faut souffrir pour soigner. Merci. De rien. Et qu'est-ce partez tant qu'il est encore temps. On a voulu, moi et mon groupe, on a voulu chasser, enfin, traquer Ménol, mais c'est lui qui nous traque. Dès qu'on rentre dans l'incendie, dans sa zone de jeu, on est vulnérable, on peut rien faire. Vous auriez vu un point faible qu'il aurait? Non. J'essaie de choper des infos. Aucun point faible. Ouais, mais en fait, il semble se protéger lui-même de ses propres flammes. Il semble utiliser sa magie. Non, il utilise sa magie, une sorte d'aura protectrice qui l'empêche de succomber à des vapeurs toxiques et de la chaleur infernale qu'il y a à l'intérieur. Ah, donc il utilise constamment sa magie alors. Ça fait combien de temps qu'il se bat là? Enfin, qu'il se balade? On sait rien. Parce qu'au bout d'un moment, il va bien être épuisé un jour ou à l'autre. Sûrement, oui. Si vous croisez, le perdez pas de vue. J'essaie de le faire mettre debout, je fais, vous pouvez marcher? Je vais essayer. Il essaye de se redresser. Je lui montre la direction de là où est la voiture, et je lui dis, allez par là, vous avez une voiture, et essayez de vous mettre à couvert là-bas en attendant et de nous attendre. Il va se casser. On va essayer de le chasser. Il se barre avec la bagnole. Nut. Non, ce sera mieux vote, mais tant pis. Je vais aller faire un rapport à la guilde la plus proche. Merci. Et bon courage. Ça va être long la route avec vos blessures. Moi, je tiens quand même à préciser que d'un côté, on recrute un mec, c'est le capitaine, il dit ouais, lui, c'est bon, au final, il est bon, on peut le garder. Tout le monde s'en va, non, faut le buter ou autre. Et là, premier connard venu, tu sais que c'est un mercenaire qui est là pour buter des gens. Ouais, vas-y, va, notre bagnole. Mais j'ai surtout sauvé en fait parce qu'il nous a donné des infos. Oui, bah moi quand apparemment il utilise une magie pour qu'il le protège du feu, ça fait apparemment assez longtemps qu'il se bat donc il devrait commencer à être épuisé. Et il utilise les flammes forcément pour nous attaquer, mais il s'en sert surtout pour nous encercler, est-ce qu'il l'a dit? Est-ce que j'ai compris? Une sorte de tactique pour chasser ceux qui le chassent en fait. Donc, faudrait essayer de trouver un moyen de désactiver sa magie. Je sais pas si pour vous c'est possible. Je regarde les mails. Du coup, merci. Tiens. Est-ce que tu crois que si ta toile peut. Quand tu craches ta toile, est-ce que tu peux emprisonner quelqu'un qui est entouré d'une protection magique? Techniquement. Soit pour l'aveugler, soit pour. Elle te regarde en mode. Bah oui! Soit pour le stun, tu vois, soit pour l'aveugler, soit pour le stun. Elle te regarde en mode, bah oui, évidemment. Ah, je sais pas, moi j'y connais rien, magie encore, pour l'instant. C'est de la toile, c'est un truc physique, donc. Mais ouais, parce que c'est un bouclier magique anti-feu, donc est-ce que après, c'est une armure de feu qu'il a? Je sais pas. Parce que après, si c'est une armure de feu, du coup, ta toile te cramera, mais. Après, ce que je me demande, c'est là, je me dis, je vais peut-être le dire en tant que merci, tiens.
Oui, mais enfin, mais... Vous savez, hein. Moi. Mais si je lance ma toile à la gueule et que la toile elle crame, est-ce qu'il va cramer ou est-ce qu'il va résister au feu? En tout cas, il sera, quoi qu'il arrive, il sera aveuglé par les flammes qu'il aura devant lui. Ah, ça, je compte bien. Moi aussi, je pense que, de toute façon, quoi qu'il arrive, ta toile servira parce que ça pourra aussi autant faire diversion que de le gêner, donc... Donc prépare-toi surtout pour lancer la toile à la gueule, parce que après c'est une protection de feu, donc les fusils vont être très demandés là. Je vais vous copier-coller sur la map, je veux la faire charger maintenant parce qu'elle risque d'être un peu lourde. Ouais, j'ai une chargement de map depuis tout à l'heure à 98%. Bon. Ok, tac. En fait j'ai alors... cliqué sur un bouton préchargé, je sais pas si ça vous avait fait quelque chose. Si, j'étais à 98% depuis tout à l'heure. 98%. C'est bien si ça vous précharge un peu. Mais ouais, là, je suis toujours à 98. Il fait tout gris. Ouais. Gris. Alors n'hésitez pas à redémarrer. Ouais, je pense. Hein. Ok, ouais, je vais faire un... J'avais fait un test, ça m'a fait du temps à charger, puis un petit rafraîchissement. Juste un F5, et puis roule. Moi, ça va comme... Les gars, sinon aussi quand on sera de retour sur le fonderie, pensez à ouvrir le truc de combat créatif. Vous pouvez voir ça dans les aides, enfin dans les règles, dans le truc de règles. Parce que je sens que là, on va en avoir vraiment besoin. De quoi du combat créatif? Combat créatif, en gros, c'est ouais, plein d'actions. En fait, toutes les actions que tu peux faire autre que juste taper, ouais. Ça peut te donner des bonus. Et en fait, je crois que pour ça va planter. Non, je suis toujours à 98. Hein. Ouais, c'est donc. Donc, on peut trouver ça dans les règles aides de jeu. Après, la map est très lourde, donc restez un petit peu quand ouais. même. Ah, j'ai redémarré pour voir si j'avais un truc, mais là, Non, c'est tout gris foncé maintenant, j'ai même pas de. j'ai la barre qui est re 98 tout en gris. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ouais, j'ai juste la musique, moi perso. 98. Ah non, ça reste bloqué à 98. Hein. Ouais, pareil. Oui, mais soyez un peu patient. Je suis patient. C'est pour ça qu'en attendant, vous pouvez voir ça. Je regarde les règles. Ouais, dans mais aide oui, de jeu. Ce que Lucky vous propose, c'est de jouer sur les épreuves. Donc, c'est tout ce qui est ruse, provocation, intimidation, ton lacet d'effet. C'est ça, les attaques surprises, les tirs de suppression. Mais on peut pas poupout. Poupout. On peut pas poupouter les règles. Si, normalement tu peux. Non, oui. Pendant que c'est en précharge, je sais pas pourquoi tu peux pas les pop out. Ah ouais. Okay. Tant pis. Bon, je sais. Mais donc voilà. Il y a devoir modifier les trucs parce que si ça vous avait vraiment pas chargé pour vous. Ça. Donc il y a les options de combat et les règles de situation, il y a plein de trucs, on peut se mettre en défense totale, on peut se mettre ouais, derrière un arbre et tout ça, je me dis. Se mettre derrière un arbre. Faire tomber ça l'arbre. Peut pas se charger. On peut faire tomber l'arbre. C'est une map plutôt toujours... lourde, donc je vais la mettre en pas animé du coup. Ah. Hop. Elle sera pas animée, mais bon. Bon, c'est pas grave. Bon, mais je suis sur notre map en attendant. Et... Ah oui, bah tu vois, c'est revenu tout de suite d'un coup là. Moi, ça a pas bougé. Voilà, donc il y a surtout les épreuves où on peut décrire une action et faire un jet opposé à l'autre adversaire pour le rendre distrait ou vulnérable. Ça, c'est très 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 fort. Rafraîchissez là parce que je vous vois plus du tout sur les maps. Ok. Ah ça y est, j'en ai fait. Elle est animée. Je la vois animée. Ah oui, c'est tu la... ah, oui, tu la vois animée. Je l'ai changée, elle a plus animée. Moi je la vois animée. Moi. Ah, j'ai la map animée aussi. Moi non, ça ne charge toujours pas. Moi je viens elle de. Elle est super belle en plus. Ah, ça crame fort. Ouais. C'est un immense gif le truc. Tu m'étonnes que ça ait mis du temps. Alors, moi j'ai un écran gris pour ma part. Ça veut pas rentrer. Ah si, c'est bon. Ça crame. J'ai forêt en feu toujours, 98%. Ah, 100%. Ça marche. Elle est pas animée.
Ouais. Bah, pour moi, c'est bien alors. Parce que en fait, j'ai remodifié parce que j'ai arrêté de l'animer. Mais du coup, si du coup on a un jeu mis sur la figure. Ouais, je vais prendre ça en compte. Et il nous manque plus que Harper, ouais, qui charge. Ben, charge. Tu vois son PC qui est devant sa connexion. Je crois que le PC, en fait, il est en train d'imiter la forêt. Il est en train de venir en feu. Non, non, le PC, il va bien. C'est ma box qui est... Oui, c'est la box, ah, c'est la box qui est en train de venir en... Non, en train attends, de mon PC, j'ai acheté une carte graphique et je vais pas tarder à racheter un nouveau proco. Je pense que le PC, il va bien. Ah, ça y est, il a chargé. Oui. Là, la musique est forte d'un coup, là. Hop, je la rebaisse. Ah, c'est bon, je vous entends. Oh, la map est belle. Oh mon dieu, nous sommes au milieu d'une forêt enflammée. Comment est-ce que cela a pu arriver? Qu'est-ce qu'elle pourrait être belle, cette map, si elle était animée? À la limite, je vous enverrai la version animée. Ouais, je la vois. Moi aussi, je la vois animée. Hein. Bah, on n'est que deux à la voir animée. Tant mieux pour vous. Et du coup, avant d'entrer dans la zone, on aurait fait un rapide scout par les airs, si c'était possible? Non. Enfin, oui, mais déjà, tu verras pas grand-chose, et ensuite, tu te risqueras encore plus à la fumée. Ok. Donc, j'aurais pas fait. Le scénario nous pousse à aller dans le feu. D'ailleurs, faut que je regarde. Faut que je revoie les règles là-dessus. Parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de jets à faire, de vigueur. Primo, vous commencez à vous enfoncer dans une zone particulièrement chaude. Je vais vous demander à tous. Moi. J'arrête pas de faire tanner parce que je suis un robot, il faudra bien que ça serve à quelque chose un jour. Bah, tu sais quoi, tu viens de me poser une colle. Au pire, je crame et j'expulse de la chaleur moi aussi parce que mon fer est... Il y a la vapeur qui est... Donc, et du coup, c'est gênant pour les autres. Je vais vous demander un jet de vigueur à chacun. Je vous donne vos modificateurs parce que vous avez tous des modificateurs différents. Ah. À moins 4 pour Myrtille. Bien sûr. À plus 4 pour Nakar. Nakai. Ah, j'ai plus 4. Ah oui, c'est vrai que j'ai l'inverse, moi. Oui. Moi, plus 0. Et plus 0 pour tout le monde. Je vais quand même mettre un plus 2 pour Salomon. Je fais comment pour lancer avec un modificateur? Elle peut pas avoir un truc humide sur la figure pour... On l'a déjà de base. Le truc humide, c'est pour autre chose. Et je crois que pour les jets avec modificateur, c'est peut-être un clic droit, je sais pas. Juste tu cliques sur ta figure. Ouais, tu cliques sur figure et après, il te met le mode. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Donc moi, c'est plus 0. Bon, c'est pas 0 au moins. C'était un très beau jet que tu nous as fait, Myrtille. Oh, je suis bien. C'est dommage, c'est un beau jet, mais c'est pas suffisant. Et un plus 0 aussi pour Ras. La carré qui est surchargée. Alors, tout le monde, ça va. Niveau chaleur, ça résiste. Myrtille, par contre, tu vas pouvoir prendre un point de fatigue parce que c'est... Il fait chaud ici. Hein. Super coupé, j'ai pas entendu du tout. Ouais, pareil, moi aussi. Ah, pardon. Je disais que pour tout le monde, c'est good. Il y a juste Myrtille qui va prendre un point de fatigue parce qu'il fait chaud quand même. Bah, c'est pas good alors. Bah, c'est good pour tout le monde, sauf toi. Mais... Oh, je suis bien. Et. Ouch! Ça fait mal, moins un. Moins pour ce qui est de la fumée, vu que vous avez tous un masque, un tissu mouillé, vous allez tous me faire un jet de vigueur, mais à plus 2. Pour la fumée, moi aussi, mais je respire pas. Non, toi par contre, non, effectivement, t'as pas besoin, toi, effectivement. Faut bien que ça serve bien que le racisme serve à quelque chose un jour. Mais j'avais pas pu le faire pour la vigueur, ce jet. Pour la vigueur d'avant. Mais techniquement, c'est une insecte, elle respire pas vraiment comme une Si, ça respire les insectes. Mais... Oui, mais pas comme un être. Respire. J'ai vu le. Et les araignées ont fait là. Oh merde. Les araignées ont pas vraiment tendance à se tenir sur deux pattes et utiliser les ciseaux pour retenir des flingues non plus. Je pense qu'on peut prendre quelques libertés. Pour ce qui est de la fumée, ça va. Pour l'instant. Oh non, parce que techniquement, on va faire ça à chaque tour. Techniquement, je suis censé le faire à chaque tour. Je vais pas le faire à chaque tour, ça va être relou.
commence à boire de l'alcool parce que j'ai soif, vrai... ça donne soif d'avoir chaud. Eh non, Brutus, en vrai, attends. Imagine. Je bois. Ah, non, il a, et il après, a je dirais. Non, mais en vrai, avec de l'alcool à l'occasion, tu sais, quand tu bois de l'alcool, tu le sprayes. De... Comme ça. Mais là, il a une armure de feu, ça marche pas, c'est ça qui est dommage. Ouais, mais c'est pour ça, mais tu fais ça avec de l'eau. Oui, j'imagine, ouais. Avec de l'eau à Javel. Alors, qu'est-ce que vous faites une fois au cœur de l'incendie? Je bois. Déjà, on a essayé de trouver ce connard. Ouais, c'est ça. Essayer de le trouver, donc est-ce qu'on pourrait pas faire des jets de perception pour essayer de le chercher? Perception, pistage. Survie. Tu préfères survie? Pour le moment, ça sera survie. Bon, bah, la perception viendra plus tard. Ok. Génial. Comme ça, je passe en vigueur des 10. Ah, mais j'ai de survie. Yes. Ok. Tout le monde fait survie là ou... si vous voulez tester le gars, ouais. Ah oui, ouais, je le fais. On va essayer de trouver le gars en fait, parce qu'on va pas rester 17 ans dans cette. Bon, j'ai réussi. Oh, nice. Oui, parce que j'ai survie moi. Parfait. Bah, j'ai envie de dire, je vais suivre la suite Brutus. Alors, Brutus, pas la survie, tu suis un petit peu, tu regardes, tu fouilles, tu. Puis tu vois certains arbres, en plus d'être brûlés et de bien prendre feu. Certains ont des petites traces de griffes de dragon, de dragon nain, qui te semble dire qu'il est passé par là. Vers où? Bah, tu peux l'indiquer sur la map. Je vais pas l'indiquer, c'est juste que tu trouves un bon chemin, okay. Plus quelques cadavres calcinés que tu trouveras okay. Sans trop de soucis. Un chemin tous morts. Tout tracé. Bah oui, là pour le coup, ouais. Ok, bon, mais d'accord. C'est parce que je suis quelqu'un d'héroïque, hein, donc dès qu'il y a quelqu'un de déplacé, je suis obligé de l'aider. Mais d'accord, bah, je suis le cadavre et je suis le chemin. Mmh. Et j'indique le chemin à tout le monde. Il est sûrement par là, je vois des traces. Très bien. Vous arriverez dans cette zone qui représente un petit peu plus la map. Ça se voit pas énormément, mais tout ce qu'il y a ici, là, vous voyez, il y a un petit ruisseau quand même, avec un petit peu d'eau. Ah oui, je vois là. Tout petit peu d'eau. Oh, pas assez pour se rafraîchir. Bah si, quand même, tu me peux. Ouais, mais vous pourrez mettre les genoux dedans. Je jette dedans. Et là, c'est une source chaude. Eh merde. Ah, bah, pour le coup, ouais, oui, elle est... là, pour le coup, oui, elle a chauffé. Oui, mais alors, faut essayer. Ça éteint le feu, quoi. Oui, mais pour le coup, faudrait. Enfin, en tout cas, il faudra éviter d'ingérer cette eau, parce qu'elle doit être ultra méga contaminée, là. C'est pas faux. Pas grave, moi j'ai déjà inséré de l'eau. Et je vais vous demander. Par contre, la visibilité est affreuse à cause des fumées. Vous avez les yeux qui piquent, tout le bordel. Je vais utiliser mon vision à rayon X de robot. Ouais, mais toi, c'est la fumée qui vous cache. Oui, je me dis dans le doute, ça peut passer. J'ai une petite interview qui dit oui. J'ai un crocodile, j'ai une deuxième paire de paupières. Là, non, mais tu vois pas à travers la fumée non plus. Oui, mais j'ai pas les yeux qui pleurent. C'est un petit. Merci, il voit rien de toute manière. Les gars, ce qui m'a gêné, c'est je ne pleure pas, ok. Ok, mais avec classe. Je suis quand même messieurs, un homme, non mais. S'il vous plaît, messieurs. Écoutez. J'aurais tellement dû s'acheter des lunettes. Mais de toute façon, c'est la fumée. Donc, à partir de là, tous les tests qui vont réquisitionner de la vision seront à moins 2. Ok. Oh, perception, s'il vous plaît. Donc, moins 2 pour Myrtille, c'est ça? Pour tout le monde, moins 2. D'ailleurs, quand viendra l'heure du combat, il y a combat, après tout. On n'est pas censé savoir si... Non, mais c'est d'une évidence, dude. Mais non, il va peut-être... ça se trouve, l'homme souris va glisser. Vous aurez une action sur la... Vous aurez une option de visibilité, normalement. Alors, je crois que tout le monde a raté, sauf moi, Myrtille et Ras. Voilà. Vous aurez une option d'illumination. Vous cliquerez sur pénombre moins 2 lorsque vous voudrez... attaquer. Ah, pourtant là c'est le contraire de la pénombre. Eh ben, d'ailleurs étonnamment c'est celle qui est censée le moins voir. Oui.
qui voit le mieux. Et effectivement, j'aurais dû te mettre à moins 4, Myrtille, mais en vrai, ça va. Moins 2, c'est déjà suffisamment... énervé. Ouais, déjà moins 3 au total. Parce qu'il y aura d'autres malus. Hein. Donc, vous commencez à regarder un petit peu partout autour de vous. Myrtille, tu es la première à voir un truc en plein milieu des flammes. En fait, tu vois déjà beaucoup de d'émanations bien rouges, voire blanches, hein, tellement que tu vois... Il me semble que ça vire au blanc quand c'est très chaud, la vision thermique. D'ailleurs, elle a trouvé l'épicentre. Ouais. Bon. Et en son centre, il y a l'air d'avoir une petite tache qui est un poil moins chaude que tu as réussi à percevoir. Brutus, tu vois aussi une petite tache blanche en plein milieu d'une fumée noire et avec quelque chose visiblement en son dos. Vous serez les deux à pouvoir agir ce premier tour-là, les autres seront pris par surprise. Alors, j'ai cru que tu allais dire qu'il était la tête dans l'eau. Et Rast aussi, peut-être. Rast, t'as fait combien ? 5. Ah, ça, ouais. Il a fait pareil que moi. Bah, pareil pour Rast alors. Il faut juste que je retrouve le monsieur. Pendant que tu retrouves le monsieur, moi je vais essayer de foncer dedans, mais vraiment. Déjà, tu vas attendre que je mette le turn order. Oui, t'inquiète pas, c'est juste c'est ridicule. Il est là. Faut que je lui mette son dragon. Sur lui. Non, il est tout petit, ouais. Il est où Il est là. Attends, je crois que je peux faire ça. Je clique en haut à gauche. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout si loin? Bah, il vole. Ouais, attends, bien sûr que je vais zoomer, mais faut juste que je lui mette son dragono. Son dragon Moi aussi, les gars, pendant que Ren met le dragono, qu'est-ce que vous pensez que j'utiliserai, que pendant le fight, j'utilise voilà la cavalerie? Genre le maire qui revient. Mais c'est minuscule. Le mec qui revient avec, avec ses potes ou avec la garde. Ouais. Il nous a volé la caisse et Est-ce que je l'utilise dès maintenant, comme ça on est sûr qu'elle va arriver en plein fight, ou est-ce qu'on joue le grid et on tente de le buter nous-mêmes? On a la cavalerie, le but, n'oublie pas que l'argent n'est qu'une seconde pensée. Tout d'abord, on veut juste le buter. Ok, ouais. Donc Ren, je vais jouer ma carte la cavalerie. Ouais, ok. Alors question, Myrtille, t'as quoi comme sort? Le vêtement. Ah mais c'est l'afflux de pouvoir, de toute façon c'est juste recharger les PP. Que tu as... Quoi il ressemble Arthur. Oui mais justement... J'ai armure, enchevêtrement et enfouissement si tu veux. Oh putain, en plus il est tout petit, ça va être une horreur de le toucher. C'est l'attaque tunnel dans Pokémon. Ok. Ça peut être intéressant. Surtout que maintenant on est sur du sol et non sur du métal de train de wagon, donc... elle pourrait même utiliser ça pour échapper au flamme carrément. Ren, qu'est-ce que t'en penses? Excuse-moi, j'étais en train de chercher mes trucs. Le tunnel pour échapper aux flammes? Ouais. C'est une solution. Si merci, il utilise enfouissement. Oh, le poussé d'adrénaline, hein, il peut tellement savoir. Je vous ai montré l'image en grand de la souris. Ouais. Vous entendrez en plus dans les flammes. Ok. Là, c'est bon, il est cramé. Hein. Du coup, Ren, je vais jouer ma carte voilà la cavalerie. Très bien. Qui nous permet d'avoir de l'aide qui arrive et du coup, c'est toi qui en détermine l'origine. Putain, ok. Il est à quelle distance ce machin? Distance à l'échelle. Et en plus, il vole. Pourquoi on est en pied là? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi vous êtes... Ah, je pense savoir pourquoi vous êtes en pied. Mais de toute façon, ça ne change rien au nombre de cases. Mais du coup, l'allure, c'est 6 cases alors. Ah oui, d'accord. Oui, c'est en classe. J'ai compris. Je sais pourquoi ça a tout fucké. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It fucked up. Because one allure. One tout court, voilà. Voilà, normalement ça va mieux. Ah bah du coup ça fait recharger la carte. Ouais. Du coup ça fait 18. Non. Sachant qu'il vole. Ok. 19 mètres. Et c'est là qu'il faut utiliser le triangle de Pythagore. Non, on s'en branle. Je l'ai encore le logiciel que tu utilisais. Je l'ai aussi, mais on s'en branle. J'ai pas envie de faire des calculs tout le temps, même taper des nombres, vous êtes à peu près machin, il est juste un peu plus haut, puis voilà.
Ouais, voilà, ouais. Comme ça qu'on joue, on dit du à peu près, et du coup comme ça du à peu près, on a à peu près joué, on a à peu près gagné, pas besoin de combat, voilà, hop, il est parti, on a gagné. Bien, les deux autres, vous n'êtes pas dans le turn order tout de suite, vous le saurez au prochain tour, vu que vous êtes un peu sur le cœur, ça charge. Hein. Par contre, question, est-ce que ça veut dire, vu qu'il est petit, certes, mais avec balayage? Il y aura les mêmes difficultés pour le toucher. Ah ouais. Ah, ok. Il reste petit. Plus le moins d'eau de balayage. Plus le moins d'eau de balayage. Ouais, mais je pense pas que, en vérité, je pense pas que tu vas pouvoir faire ton balayage. En vrai, si tu touches lui et le dragon en même temps. Non, mais si je fais le balayage dans le sol devant, t'es comme ça, histoire de faire un petit mur de terre. Tu sais, c'est la magie, mais pour les arnaqueurs. Ok. Parce que là, s'ils veulent, c'est grâce à son dragon. Donc, si vous focusz sur son dragon, on est bien. Alors, Ren, ma première action pour bien démarrer ce fight, ça va être de me cacher. Ça va être d'essayer de me cacher par rapport à lui. Pour pouvoir ensuite, lorsqu'il va s'approcher, pour pouvoir l'attaquer par surprise. Mais d'abord, me cacher. Très bien. Je suis en train de réfléchir à quel genre d'allié je vais pouvoir vous mettre. Ouais, et je vais essayer de trouver du coup un arbre. Je vais me caler dans un arbre qui a encore ses feuilles. C'est un peu dangereux, mais... okay. Mais dans tous les cas, je ferai attention à mes alentours. Je te demanderais un jet de discrétion, tout de même à moins 2, parce qu'il te voit te déplacer à peu près dans une certaine direction. J'utiliserai les flammes à mon avantage pour me cacher. Malgré tout, oui, c'est juste qu'il t'a vu et il va te voir te cacher. Je vais quand même te demander le moins 2. Ok. Donc je me cache par exemple dans cet arbre-là à moins 2, donc. Discrétion moins 2. Discrétion moins 2. Je recharge la page ou quoi là? Parce que moi elle est toujours pas chargée. Bah possible. Possible. Ah ça y est, eh ben, au moment où je m'en plains. Il fallait que je m'en plaigne. Désolé. Voilà. Et j'ai fait 4. Ok. GG. Ouais mais c'est contre sa perception à lui. Ouais. Putain, je joue après lui, il me casse les couilles. Et ça, je te considère ça comme une action gratuite, hein, si tu veux faire autre chose. Je vais quand même sortir... Non, je vais juste sortir ma dague. Mais non, vise avec ton arme. Ah oui, t'as pas tort, ouais, effectivement. On va faire ton tour pour le prochain tour. Ouais, je vais sortir du coup mon nouveau Colt et je vais le viser. Ouais, l'action visée, c'est vraiment si tu fais rien d'autre, par contre. Et là, t'as bougé. Effectivement, j'ai bougé et je me suis mis... Gratuite que okay. Avant, donc. Bon, bah, du coup, je vais préparer... Je vais préparer dans ma dague deux doses de poison. Ça marche. Je vais juste un tour aux toilettes rapidos. Pas de soucis. Encore ? Oui, je non, bois beaucoup. Il boit beaucoup d'eau. Il boit beaucoup d'eau. J'adore l'eau. Bon, j'en profite alors. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais je vais en profiter aussi pour aller me remplir d'eau. De Brutus. Ouais. Il est quoi, 23h? Ouais, dans 20 minutes, je prendrai mon somnifère. heures, c'est l'heure pour les enfonçages d'aller se coucher. Bon, je vais aller avec coucher, moi, c'est alors. Des étoiles dans les yeux et tout le reste dans les cheveux. Ah, bref. Ouais. Et me revoilà. Bah, comme quoi. J'ai pas une autre musique parce que celle-là on l'a déjà eu la dernière fois. Pardon, j'ai envoyé un message, c'est pas toi que je voulais l'envoyer. Je vais vérifier un truc sur la portée. Oh, tu comptes jouer une musique combien de fois? Oh, la musique qui m'a pété les oreilles là. Pardon. Non, mais bon,
Non, mais elle était bien, mais elle m'a pété les oreilles parce que je m'y attendais pas. Surtout que moi, en plus, elle est sur enceinte, la musique, vu que j'ai Discord sur iPad. Ah, Loupi vous offre 2 jetons, 3, 4, soleil. Pas la portée. Bon, en vrai, la musique. Merci, Loupi. Bon, en gros, vous avez tous un jeton. Tac, 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 tac. C'est 19. Eh ben. Ça fait beaucoup de jetons. J'ai une musique que tu devrais mettre qui pourrait être sympa, Ren. Rip and tear. J'ai super Gurness, sinon. Sinon, allumer le feu, ça marche aussi. Allumer le feu. Ah. Je vais devoir baisser le son combien de fois. Tac. Question Red. Ouais. Ça me fait un modificateur de moins combien si je tire avec un flingue. Donc il va y avoir le malus de visibilité à moins 2. Ça fait. C'est malus de taille, c'est déjà pris en compte normalement. Ouais, mais additionné à ça, il y a ma fatigue, il y a la visibilité. Il y a sa taille. Sa taille, il me semble, si je dis pas de conneries, c'est un moins 4 pour le toucher. Donc je suis déjà à moins 7 pour le toucher. Ouais. À portée moyenne, ça rajoute encore moins 1, ça ? Moins 2. Moins 9 pour le toucher. Il y a Walker qui pourrait être pas mal. C'est un ennemi qui va être difficile à toucher, mais si vous le touchez, une chips. Vous risquez de l'OS. Je vais utiliser les bénis pour qu'ils survivent. C'est donc pour ça que tu veux pas que Nakai agisse en premier. Moi je vais viser, tirer, one shot. Pour le toucher. Ah bah il va falloir réussir à le toucher en tout cas. Ouais, mais c'est sûr qu'il doit avoir très peu de vigueur. Hein. Myrti il peut pas utiliser de. Je veux bien que c'est un pyromane la souris, mais ça reste une souris dans une forêt en feu. J'espère que lui aussi il a des malus. Oui, oui, t'inquiète pas, il en a. Donc qu'est-ce que je dis ? Ouais. Pourquoi t'es bleu toi ? Parce que je me suis mis invisible. What mais enfin, tu ne peux pas demander aux gens s'ils sont bleus comme ça. Donc qu'est-ce que je disais ? Du bleu dans une forêt en feu, ça serait pas Avatar 2 ? J'ai envie de dire, est-ce qu'il nous a vu lui aussi ? On l'a vu, mais est-ce qu'il nous a vu ? Oui. Oh, il est où, Ras ? Tu dis, il est bleu, moi je ne le vois pas tout court. Malgré tous ses bonus, Myrti est suffisamment remontée qu'elle va tirer un coup et après s'enfouir. Non, s'enfouir sous le sol. Ah, s'enfouir ! Comme l'araignée dans l'étal compagnie. Enfouit son moment en mode. Pomp. Et puis après, attaque tunnel, quoi, elle ressort quand elle veut. Après, il me semble qu'il est en train de voler là, non ? Ouais. Je devrais oui, mais elle ressort quand elle veut quand même. Tac. Ouais. Il vole ! Et mais peut-être à au moins 3-4 mètres, au moins hauteur au-dessus des arbres, hein, qui vole. Et j'ai envie de dire, si elle sort de son enfouissement, ça pourrait peut-être compter comme une attaque surprise. Ouais, il faut encore. Ouais, ça peut. Ça peut. Il donne donc des bonus. Ça peut. Ça. Peut-être pas. Donc j'ai envie de dire. Je vais déjà viser ce. Attends, c'est lui que j'ai visé ou c'est son dragon ? Ah oui, c'est la bonne question. Vise le dragon, c'est mieux. Comme ça, il tombe dans les flammes, ce con. J'ai l'impression que quand c'est encadré en rouge, c'est lui et quand c'est encadré en jaune, c'est le dragon. Ah oui, ouais, exact. Ils ont tous les deux le même malus de taille ? Oui. Ouais. Je me demande si le dragon est pas un poil plus. Non, je crois que c'est la même taille le dragon. Non, en tous les cas, faut un truc à ça. Ok, alors je vais faire un tir, un avertissement des choses à venir. Ouais, c'est la même taille.
Et là, tu tires, ça rebondit sur un arbre et ça le one shot. Et mode moins combien t'as dit, moins 2 tu mets visibilité pénombre moins 2. Ah, d'accord. Et de toute façon, ouais, tout ce qui est porté normalement, il le met illumination en... pénombre. Et donc du coup, normalement, ça calcule tout. Ouais. Un G pour le tir. Oh, ça aurait pu être rigolo, non? C'était bien tenté. Et attends une... Ah oui, c'est vrai qu'il a esquive. Tu tapes de base un moins 3, mais en plus... En fait, vaut mieux viser son... En fait, je pense qu'il vaut mieux viser son dragon. Bah non, le dragon, il a la même... Ah bah oui, parce que le dragon... Parce que le dragon, il a pas esquive. Il va en profiter Comment il peut faire esquive s'il est sur son dragon? C'est lui qui dirige le dragon. C'est un atout. Mais il aurait... C'est un atout qui permet de... Ah ok. Il a fait... Ah oui, il est vraiment très dur à toucher. Il m'a annulé mon 8 là. C'est dire. N'oublie pas de passer ton tour. Non, parce que je me suis pas encore enfoui. Ah oui, bah enfouis-toi. Et en plus c'est une double action, donc en plus t'avais encore moins 2, non? Non, parce qu'elle peut faire des doubles actions gratuitement. J'ai les actions multiples. Par contre, c'est vrai qu'elle est ambidextre. Par contre, enfin, on est d'accord, c'est pas un jet enfouissement, c'est je m'enfouis. Si, tu dois quand même faire ton jet de ton pouvoir, lancer le pouvoir. Bah ok. C'est une sorte de capacité quand même un peu surnaturelle. Il y a pas de modif à l'enfouissement. Non, il y a pas de malus. Pas de modif. Pas de... Je mets un aspect à mon enfouissement pour faire des conneries en plus. Non, il n'y a pas besoin. Ok. C'est l'heure de dire que je m'enfouis. Ou pas. Ah non, non, pas... non parce que... Eh, non, c'est bon, hein, je vais pas le viser en m'enfouissant. Malheureusement, ouais, la fatigue, ça a pas su... La fatigue, je m'en branle. Ouais. Mais la fatigue, si, elle est toujours comptée, la fatigue, par contre. Non, la fatigue, je branle parce que je fais une relance. Ok, bah relance alors. Mais ça passe pas là, parce que là il a visé. Non, il a moins 3. Enfin, il est à 3 et pour réussir un pouvoir, en fait, faut que tu fasses 4. Non, mais et... il a visé Minol. Ouais, mais je vis plus maintenant. Oh. Et pour répondre à Loupi, le sol, bah en fait, justement, sous terre, c'est moins chaud. Et petit tips que j'ai entendu parler, si jamais vous vous retrouvez dans un incendie de forêt, vos meilleures chances, c'est de vous enterrer. Oui, et tu sais ce qu'il faut faire exactement pour... Je vais exactement essayer de m'enterrer en relançant encore une fois, c'est quoi ce délire? Ah bah voilà. Ah là, t'y arrives. Mais tu le focus. Tu le vises. Là, t'y arrives. Ouais, mais là, c'est bon, elle a fait 4, la myrtille, elle peut s'enfouir. Bah tu creuses un trou et tu te mets la pelle sur le visage avec un tissu humide. Tu peux me dire du coup que je suis enfoui là? Oui, tu es bon, enfoui. Après, est-ce qu'il y a un truc spécial pour Je peux le revoir une couleur moi aussi. Tu peux te mettre si tu te mets invisible. Oui, ça marche. C'est quoi? Comment on fait ça? Quand tu cliques sur ton personnage, clic droit, la petite icône en haut à droite. Ah voilà. Et t'as le truc invisible. Attribuer les effets d'état, c'est ça? Non. Ouais, je crois. Non, quand tu cliques sur ton personnage, quand tu fais un clic droit sur ton jeton. Ah. Quand tu fais un clic droit sur ton token. Ouais. En haut à droite. Et ensuite, ouais. T'as un bonhomme qui est transparent. Faut que je le trouve. Elles sont un peu petites ces icônes. Ouais, c'est vrai. Tu peux zoomer. Non. Si. Non. Faut zoomer avant. Mais... Ah. Non, tu peux même zoomer pendant. Moi, j'y arrive. Hein. Je te laisserai regarder la description de ton enfouissement parce qu'il me semble que ça impacte aussi ton allure en revanche. Je vais vérifier ça, j'aurais peut-être dû bouger avant. Bah. Je te laisserai bouger pendant le tour de l'autre parce que tu ne seras pas trop impacté. Lui il va arriver avec son rire rire typique du pyromane. En tout cas, je sais que j'ai le droit de me déplacer sous terre, c'est déjà ça. Attends.
Ah oui, en appuyant sur espace. Ça ah, il va vite. Ouais. Mais surtout loin. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Faire pour moi. Non, non, oh ta gueule. Ça marche même pas comme ça. On finira le combat sans lui. Alors. Mais enfin, où est-ce qu'elles sont encore parties, les règles? Alors? Dans l'eau. Ah, dans l'au-delà. Alors? C'est quoi que tu veux savoir, Cap? Enfouissement, comment ça marche? Je suis en train de headbanger depuis tout à l'heure. Alors, j'aime le métal, qu'est-ce que vous voulez? Alors, se fondre dans la terre. Alors non. Oh non. Je sens qu'on va être one shot, tu vas voir. Loupi a banni Roger pendant 600 secondes. La petite souris se rapproche en volant, apprend légèrement un petit peu plus d'altitude bien au-dessus des arbres, caste une boule de feu qui est gigantesque peux, et qui fonce. Je peux creuser la moitié de mon allure. Ok. Si ça te dérange pas, je vais bouger maintenant. Ouais, mais de toute façon, tu ne seras pas pris en compte dedans. Ouais, t'es en dessous de toute façon. 1, 2, 3. Je bouge, hein. Ciao. Par contre, ça me fait toujours chier, ça. Attendez, je vais vous mettre un peu plus haut pour que vous soyez au-dessus des effets de zone. En fait, si je lui fous un effet de zone à la figure, au ménol, est-ce qu'il a ses avantages? Il en a. Je devrais pas le dire, mais il en a. Non mais est-ce que ça, son avantage de taille il compte encore ou pas? Pas de la même manière. Accélération 0, voilà comme ça. Donc Brutus. Ouais. Nakai, Salomon, mais aussi. Ouais. Rats. Ouais. Il est pas en dehors de la zone? Non, je suis dedans. Il est dedans. Ah, je suis. Parce que je te vois pas. C'est là que je dois faire les dégâts individuellement. Donc, on va commencer par le petit Rats. Je suis là, moi. Je peux esquiver? Il y a moyen d'esquiver? Pas tout de suite. Peut-être pour les prochains, mais pour celui-là, non. C'est pas un jet d'agilité pour esquiver ou une connerie? C'est des jets d'athlétisme à moins 2, mais comme c'est la première attaque. Je peux pas l'autoriser. D'accord, oui, on n'était pas préparé, quoi. Ça va. Rass, tu es secoué. Ok. Roger, tu es imbibé. Moi, je suis bon. C'est l'alcool qui éteint le feu, voilà. Nakai, bon, j'y crois pas trop parce que les dégâts, ça va être à moins 4. Mais moi, je ne crois pas Lucky. C'est normal, il est invisible. Mais il me semblait qu'on le voyait quand même, pardon. Et j'ai pas fait les dégâts sur Salomon. Moi je vais mourir. Pas loin. Non mais c'est une blague. Ça fait mal. D'être un robot. C'est le robot qui crame. Est-ce que non, mais moi j'ai pas d'armure, hein. J'ai rien. Est-ce que tu veux encaisser? J'ai sonné, distrait, inter, distrait, pudera. C'est encaisser, c'est quoi encore? Qu'est-ce que tu fous avec tout ça? Ouais, j'ai juste cliqué sur sonner et deux blessures et ça m'a mis tout ça. Mais t'es pas sonné! T'es secoué! Mais, secoué. Pourquoi t'es à terre? J'ai essayé d'encaisser, hein, au moins une fois. Bah non, tant pis. Comment ça? Mais non! Mais t'es pas. Mais non, c'est qu'il les a rajoutés lui-même. T'as deux blessures, mais t'es pas mort. Calmez-vous. Surtout, t'es pas à terre. Et surtout, t'es pas à terre, oui. Je sais pas pourquoi ça s'est mis. Il a tout foutu en l'air. Moi, j'ai pas cliqué sur à terre. Ah, parce que t'avais cliqué sur. Oui, sur sonner. Ouais. Je sais pas comment je l'enlève. Brutus. Ouais, moi je vais m'approcher le maximum possible. Donc 6. Hop. Oh, je peux l'atteindre de là ou pas là?
Bah, il est au-dessus des arbres quand même. Ok, bah, tu sais quoi, je vais faire une tentative de provocation avec un petit discours si ça peut me rajouter un petit plus. J'abats l'arbre. Je regarde comme ça, je fais tiens, voilà le rat de pacotille. Viens donc te battre, sale lâche. Tu attaques des innocents en défense, tu te crois honorable, mais tu n'es qu'une mauviette. Tu crois peut-être porter le titre de criminel, mais tu n'es que le déchet de l'humanité. Approche-toi donc voir si t'en reste ne serait-ce trop long, trop long. T'as que 6 secondes, mec. T'as que 6 secondes. C'est bon, j'ai manqué de 2 secondes. C'est bon. Excusez-moi de donner des cinématiques. Tu t'approches, petite bite, ça suffisait. Hein. Viens te battre, espèce de petite merde. Petite bite. J'ai marché sur ta mère sans faire exprès. Oh, il faudrait ça pas suffit. Que je me marche dessus. J'ai mis du scotch sur ta mère pour pas qu'elle explose. Ta mère, c'est ragote. Ta mère, elle est tellement petite qu'il faut utiliser 2 microscopes pour la voir. En vrai, vas-y, fais ton jet de provoque. Ouais, mais c'est un nom d'entraîné. Est-ce que j'ai un bonus ou pas? Pas du tout. Ok, non, mais je me suis emmerdé à faire un petit texte et tout, mais... L'effort n'est pas récompensé, c'est ce que je retiens. Hein. Je backerai mon travail la prochaine fois. Eh bah écoute, il a pas l'air de te comprendre, vu en même temps, vu tous les crépitements de flammes. Il voit juste un mec qui secoue les bras, qui a l'air de gueuler. Et surtout, en plus, il a dit en quelle langue? On se fait rien. C'est ce que parlent les Cyruléens, normalement, dans Cyruléens. C'est vrai qu'il y a aussi le problème linguistique. Mais qui sait, il parle peut-être. Ça se fait rien. Vous ne savez pas. Alors, on va pouvoir ajouter maintenant Nakai et Salomon au tour, et c'est un nouveau tour. Nakai ! J'en ai marre de jouer après ! Tu peux dépenser un béni, tu sais que je peux la satisfaire. Vous savez que vous avez le droit effectivement de dépenser un béni pour changer votre carte. Pour tirer une nouvelle carte. Ouais. Tu peux dépenser un béni pour tirer une nouvelle carte. Parce que c'est vrai que j'ai fait un... Il a fait un combien, lui ? Il a fait un 4 tours de carreau. Je peux ? Ouais. Je fais comment? Tu me dis, tu balances un béni, puis je te tire une carte. Vas-y. Carte action. Et là, il chope le Joker. J'aimerais bien. Distribuer. Mal foutu, ça. Tiens, la main de Roger. Tac, aléatoire, boum. Qu'est-ce que tu nous as chopé? Oui, c'est vraiment pas pratique, par contre, alors machin. Ah! Peut-être pour ça qu'on l'a jamais fait. Un 5 de cœur, bah tu joues avant lui du coup. Bah non, j'ai rien là. Non mais dans ta main. Dans la main là où t'as ton coup mortel. Dans mon coup... Merde. Ah bon? Attends. Ah ouais, 5 de cœur. Ah bah je pouvais faire repiocher. Bon, en fait j'ai trouvé, je pouvais faire repiocher, sauf que j'ai fait de la merde. Attends. Arrêtez de suivre machin. Donc... Repiocher. Bon voilà. Du coup, t'as une reine. En fait, il y avait un truc pratique pour tout pont à faire. Par contre, après, par contre ça, je crois que ça a niqué le tornador parce que je joue après Nerti, apparemment. Bah non. Tu vois, du coup, il me semble que tu joues après Nerti. I know why, because I fucked up. Voilà. This is better. Ok. Ah, essaye de ramener vers le bas vu que tu joues en premier. Ouais. Bon, je vais monter sur un arbre et je vais m'asseoir sur lui. Je joue en premier du coup avant Nakai. Bah, quoi? Voilà. Je sais pas si. Oui, tu joues avant. Ok. Bon, ben je me rapproche de lui le plus possible. Donc là, c'est un allure déjà pour être ici. Il va falloir escalader l'arbre si tu veux espérer pouvoir l'atteindre. Ben, c'est ce que je fais. Athlétisme, du coup, mon grand. C'est bordu. Oh. Oh putain, un gros qui grimpe un arbre, ça fait flipper. En montant dans l'arbre, je fais. Rejeter l'humanité, devenez sage. Bimonki. Ok, que fais-tu une fois en haut de l'arbre? Je tabasse avec mon marteau. Ok. Tu vois, lui, soit le dragon, j'en ai rien à foutre. À peine accessible, donc tu peux tenter. Si je peux toucher plus facilement le dragon, je touche le dragon. S'il est plus à peu près pareil. Manqué. Je vise. Là, je vise que. Du coup, son dragon aussi, il a de l'esquive ou pas?
Oui. Ah, tu sais pas. De toute façon, l'atout esquive, c'est pour le... L'atout esquive, de toute façon, c'est pour les attaques à distance. Ok. Hop, combat. Ouh, le D10. Il touche. Il l'a touché. Ça touche. Voilà. Alors, je vais faire les dégâts. Il a pris en compte le... Attends. Oui, il a pris en compte mortel, l'échelle. Et je fais coup mortel avec ma carte aventure. Il a tout le... Et je double les dégâts grâce à l'aventure. Ok. Défoncé. Enfoiré. Alors, ok. Bon, bah moi, j'utilise un béni. Ah, du blessure, il se... Ah ouais, toi, tu utilises ça. Et ben moi, j'utilise le dragon volant aux yeux bleus. Ah, il est à 3 blessures. Allez. Il est à 3 blessures. Voilà. Bah, il est surtout tout mort, j'ai envie de dire maintenant. Non, il peut encore se relever. Il est pas encore tout mort. Par contre, faut que je lui fasse un jet d'équitation. Merci Brutus, je vais aller l'achever. Merci Brutus. Moi, et... Kirti et Rap, on va boire un petit thé en attendant. Hein. Mmh. Il a touché beaucoup trop facilement, je suis un peu deg. Et il est tombé. Non, juste au boisson d'esquive. Ouais, ça va. Il est tombé dans l'arbre. Pour le moment, tu ne le vois plus. Ou perception, okay. Perception. Ok, perception. Moins 2 avec la fumée, du coup ou... Ouais, clairement, ouais. Alors, perception... Moins 2. En fait, la cavalerie, ça va être de la... Ouh. Ça va être rien. J'ai oublié la cavalerie. La cavalerie... Non, mais dans tous les cas, Red, ça fait deux tours. Ça fait... Non, ça mais... Fait... Pour te donner une idée, la dernière fois qu'il y a eu la cavalerie qui va arriver, c'est là où Daspan il a fait 62 dégâts sur 3 ouvertes. Est-ce que Lucky, ça te dérange si je te donne un béni à la place de la cavalerie? Parce que Absolument pas. Parce que déjà, elle risque d'arriver tard et. Bah écoute, je prends le béni. Merci. Et alors, c'est quoi le jet de perception? C'est quoi ce jet de perception de taré? Bah oui, c'est mon D4 qui a réussi. Du coup, tu le vois tomber dans l'arbre à peu près où il est. Tu pourras le notifier à Nakai. Bah, je lui ai dit qu'il fait. Il est tombé là, je l'ai eu ce salaud. Ok. J'imagine ça, tellement que Brutus chassait la souris qui vole comme Golden qui chasse les moustiques en été. Tu peux te passer de tellement loin, toi. C'est pas un marteau qu'il a utilisé, Brutus, c'est une chante là. Et puis Ren, le fait de pas avoir de cavalerie, ça permet qu'on puisse juste se prendre le kill pour nous. Y a personne d'autre qui va nous faire chier. J'ai un moins quelque chose pour le taper. Oui, ça sera naturel. Ça se fera naturellement. Ok. Par contre, on n'aura pas sa tête, on aura juste un. Je relance. On n'aura pas sa tête, on aura juste une trace. Je relance. Je relance. En fait, on touche sur un 10. Ah mais enfin. Ah putain de merde. Pourtant, il a un petit chat total. Hein. Attends, laisse-le reconnaissable au moins et qu'on puisse Clem et qu'on puisse prendre la prime. Non. Alors. Laisse-le reconnaissable. Moi aussi, je bénis. Pas les couilles. Mais Ren, mais non, son dragon s'est jeté dans le... s'est pris le coup à la place. Oh, moi, je vais attraper le dragon. Le dragon se casse juste. De la grande gueule. Mais pourquoi tu veux attraper le dragon? Mais non, on peut tirer sur le dragon, bon, Ikrissi, on a des armes à distance. Je suis un peu déçu, mais en même temps, c'est bien joué pour vous. Putain, voilà, moi, je m'étais... Ce sont des choses qui arrivent. Je m'y attendais un petit peu parce que ça aurait dans tout. Je suis sûr que si j'avais réussi à sauver et qu'il n'avait pas de blessure, le combat il aurait. Enfin, si vous l'avez pas one shot dès les premiers tours presque, je suis sûr que si je l'avais sauvé, le combat il aurait duré éternellement. Mais Ren, moi je m'étais préparé à devoir lui sauter dessus, à devoir empoisonner sa monture pour machin. Moi je m'étais pas. Non, pour un long combat. Mais en fait, il fallait juste reject humanity, become monkey, donc. Quoi qu'il en soit, messieurs, effectivement, la souris s'est pris de mauvais coups de marteau et de mauvais coups de Merlin. Il a été envoyé par terre sur le sol là-bas.
Pas totalement mort, mais en très 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 sale état. Il essaye de ramper, il essaye de ramper dans un sale état, mais. Merci, il m'a collecté l'âme. Je descends de l'arbre. Ren, je peux citer la magicienne de Hearthstone. Si tu veux. Vous l'avez cherché. Je m'attendais à une citation non, c'est grandiloquente. Vous l'avez cherché. Attrapage de souris. Et elle va la bouffer. Mangeage de souris. Tu connais pas ma tête, mais moi je t'ai cherché toute. J'ai l'impression de t'avoir cherché toute ma vie alors que ça fait que quelques années. Il comprend même pas parce qu'il est autant que. Bah oui, c'est ça. Tu vois qu'il essaye de faire quelques étincelles avec ses mains, mais il n'y arrive pas. Il n'a pas la force pour. Il crache du sang aussi. Et c'est Myrtille qui penche un peu la tête, qui s'amuse un petit peu avec ses bras, avec ses autres mains, qui s'amuse un petit peu ses bras, à pincer un peu la peau. À pincer un petit peu la peau. Salomon, tu rejoins un petit peu le groupe? Non, je suis. Amusé un petit peu. Tu peux quand même bouger. Il a tué sa mère. Je sais, mais je pars du principe que j'ai quand même pris une grosse boule de feu dans la gueule et 2 points de dégâts. Donc... Mais ça va, j'ai pris feu et tout. Mais t'as pas pris feu, t'es en métal. C'est bon, t'as pas de couleur. Là, il y a eu un petit moment de pause. Et puis. Et puis, finalement, à moins que quelqu'un essaie très fort de l'en empêcher. Elle va simplement resserrer sa main autour de sa nuque. Il faudrait aussi juste le mettre dans le canon de mon fusil à pompe. Tu pourrais aussi juste le mettre dans le canon de mon fusil à pompe et pas. Attends, faut qu'on trouve des souris dans notre équipage. Et tu mets des cartouches à blanc avec juste un peu de coton, comme ça il y a que la propulsion. Et tu leur donnes des lances de cavalerie, mais à taille de souris, t'as genre des cure-dents, et tu les tires comme ça. Oh non. Bon, mais les idées. Pour rester dans le moment. Mais si, attends, on peut peut-être se faire un peu de thune sur lui, non? Moi, est-ce que tu veux vraiment. Il est cherché mort au vif, non? Je crois qu'il est cherché vif, non? De la thune ou des infos, on sait jamais. Oui, c'est vrai qu'en plus il peut. Et tu veux pas en savoir plus? Mais qu'est-ce qu'il a à m'apporter? C'est lui que je veux mort. Non? Moi je suis les directives de Myrtille, de toute façon, c'est ça la consacre. Argent ou pas, moi je m'en fous. Et après, il a peut-être des informations sur le commanditaire? Parce qu'il me semble que c'est une information qu'on n'avait toujours pas, la personne qui les a... Il me semble que le commanditaire avait dit que justement il fallait faire moins de victimes possible ou un truc du genre, non? Ouais, mais peut-être que... Parce que c'est pas sa pote si après il y a un connard qui fait la... Qui fout non, je crois que j'ai la source du problème dans ma main. Oui, bien sûr. Après, si tu veux vraiment pas savoir qui c'est qui a... Qui c'est qui a demandé à ce connard d'y aller? Ça me fait une belle jambe. Mais attendez une seconde, je viens d'y penser. La souris on peut pas pointe, le livrer. La souris pointe du doigt un peu race. Je suis ton père. Les gars, on peut pas le livrer. Est-ce qu'on y recherche nous aussi? Bah oui. Non, oui, mais on fait comme dans les arts barbares, on le livre pour... Ou sinon, on le vend aux mercenaires qui sont à côté. Enfin, je veux dire son cadavre, on le vend à moitié prix, quoi. Ouais. À moitié prix. Bah, c'est soit ça, soit de toute façon, voilà, quoi. Et qu'est-ce qu'il montre, le piaf, lui? Mais il montrait Ras, qui avait l'air de parler. En gros, je pense qu'il veut parler, en fait. Il veut juste... il a peut-être des infos. Le tien par le col. Ah oui, qui est pendu par le col. Il y a des choses à dire. Vas-y. Il te comprend pas, donc...
Ouais, mais ah, le robot va ouais, mais, ouais, mais, elle s'en fout. Comprend ou pas, elle s'exprime là, elle s'en fiche. Le robot traduit, non? Salomon, il. Actuellement, mais j'ai pas toutes les langues encore. Est-ce que je peux traduire? Bah là, c'est surtout traduire Myrtille. Oui, traduire Myrtille. C'est ce que je te demande depuis tout à l'heure. J'ai cru que c'était la souris qui parlait dans une autre langue. Non, c'est... non, c'est Myrtille qui, depuis tout à l'heure, parlait dans sa langue. Mais bah, du coup, je traduis, oui. Et vas-y. Je traduis avec des étincelles. Tu dois faire giga peur. Moi, je vais commencer à me prendre de l'eau et m'en foutre plein partout. Ce serait trop drôle, je parle avec une voix distordue. Parce qu'il fait chaud quand même, hein. Je crois qu'il faudrait qu'on y aille. Hein. Faut pas oublier qu'à chaque fois que Salomon traduit, il anoblit un peu le. Ouais. Non, ah non, là non, non, je le fais pas. Pourquoi vous m'ignorez? Il fait chaud quand même, non? C'est le truc de parlant, je vais pisser. Le piaf, tu veux savoir quoi? Tu veux savoir quoi? Pardon, c'est plus cette voix-là. Tu veux savoir quoi, piaf de merde? C'est pas moi qui veux savoir, c'est elle. Tortue. C'est un peu chaud là, non? Qui c'est qui a eu l'idée de merde? T'as intérêt à tout lui balancer si t'as pas envie qu'elle serre plus la main, je pense. Qui c'est qui a eu l'idée de merde de t'embaucher pour aller chez moi? C'est toi, je sais pas, le tapis, moi, grosse nulle. Ah, t'es bien pourtant allé, non? Ah, tu peux pas parler des profondeurs. Le gars s'appelait Obekla, mais je l'ai filé en douce. Un peu après la mission, j'ai son identité escroc con. Il s'appelle Zosk. Zosk. Harper, il est parti. Ah, il est parti, j'aurais eu besoin de son jet de culture G. Reviens vite. Je sais pas, si c'est dans Carlon, peut-être que je le connais. Non, mais à mon avis, ça va être du plot intéressant, donc... Est-ce que je peux faire un jet de culture G? Enfin, est-ce que Ras peut faire un jet de culture G? Non. Ok. Enfin, cela dit, je le demanderai à tout le monde, mais j'attends que Harper revienne. Tout le monde sauf Myrtille, qu'elle connaît pas trop encore. Ouais. Étant donné que Rassi se balade un peu, j'imagine qu'il a dû connaître un peu. Il a pu se renseigner un peu partout. Donc le commanditaire s'appelle Zos. Ouais. Pour le coup, je vous laisse noter. Hein. Enfin, je... Ouais, ouais. Oui, c'est ce que je trouve. Faudra lui demander s'il connaît le WebKey aussi. Là, on revient à zéro, quoi. Mm. Et sinon, effectivement, en même temps, je propose de... je sais pas, non. Non, en fait, non, je vais pas proposer qu'on se barre de ce feu, parce que si, comme ça, si tu veux le jeter... On retire juste ses blessures, histoire de pouvoir le voir, au moins. Jeter aux flammes, non. Non, Myrti va complètement le buter et exposer son cadavre à qui veut l'entendre. Elle va le porter en collier. Elle va l'emmener dans une cage avec classe de 3e pour dissection. Oh non, elle va virer complètement sa chair et elle va se faire un collier avec son squelette. Et c'est quel crâne de un crâne de souris en collier. Avec quelle espèce c'est Zosk déjà? Ah bah pour ça il a pas dit, il a juste dit que le gars c'est Obekla. Attends. Là j'attends. Obekla c'est j'attends Harper déjà. Ouais, dans nos notes, on sait que Zosk, c'est un glazar. Ouais. Heureux. Alors, comme je l'ai dit pendant ton absence, et que j'attendais que tout le monde revienne pour en dire plus, la souris, donc Ménol, a dit que le commanditaire s'appelait Zosk, le glazar, Obekla. C'est pas le mec sur notre bateau? Ah non, c'est Drosk sur notre bateau. Non, lui, c'est Drosk. Et j'allais demander un jet de culture G à tout le monde et je le donnerai aussi. Je donnerai un plus 2 à Nakar. Nakai. Nakai. Tu vas y arriver, oui. Ok, donc plus 2 à Nakai. Oh, c'est que ça en aura de la reine, je pense. Pas forcément. Ah non. Ah, c'est haut. Ok.
Bah, j'attends quand même le jet des autres. Ouais, okay, pardon. Tu dis culture G. Ouais. Ouais. Ah. Ouh. C'est quoi, j'ai envie de relancer. Après tout, c'est la fin de session. Ouais. Dommage. Rast ne sait rien. Brutus, Nakai, ça te dit quelque chose? Salomon? Oui. Culture G? Ça. Oh. Pas mal. Ok. Donc, tous ceux qui ont fait 4 ou plus. Zosk, c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose. Il nous a dit quoi? C'est, pardon, d'après votre connaissance, un aventurier Glazar, hein, originaire de Volarien, de Volaris, qui, il n'a pas spécialement fait la reine, mais il parcourt le monde pour parfaire sa magie. C'est un grand mage aventurier, plutôt okay, reconnu. Et Nakai... Allez, le jet d'intellect, Nakai. Ah, plus zéro? Ouais. Ouais, tu m'en demandes beaucoup, hein. Parfait. Tu devrais pas voir mes jets en intellect. Nakai. Je sais. Tu te souviens, il était dans le train. Yo. Oh. C'était l'ours. Bah non, mais non, pas le... il était dans le train, tu l'as vu. Oui, oui, c'est le canard. Mais non, c'est pas le canard, le canard lui il a fait la reine. Non merde, je suis confondu. C'est un Glazar, je te dis, pas un canard. Oui, bah techniquement, volarien, volatile. Ça va toujours choquer. Ça, aussi que volarien. Je suis un volarien, connard. Ah, mais... Ça va toujours choquer que les volariens ne sont pas des oiseaux. Vas-y, tu peux mettre son token. Je vais te mettre l'image, ça ouais, sera sur toute la caille. Mais vous l'avez vu, vous l'avez déjà vu. C'est un vieux. Putain, mais oui. Il était à bord du train, ce fils de pute. Comment la barbe pousse sur des écailles? Ta gueule. Pose pas de questions. C'est de la mousse. C'est de la mousse. C'est un bière d'un dragon. C'est une illusion. It's magic. Magic. Voilà, et on était chargé de libérer une courge là. Une courge, tu veux dire? Une courge. Oh, une humaine nulle. Elle s'appelait comment cette gamine? Est-ce qu'il sait? Je sais plus si. Non, je sais pas, je m'en fous. Fais un jet de texte pour voir s'il s'en souvient. Non, j'avais déjà mes notes là-dessus. Ah, d'accord. Pas, je m'en cogne. Moi, tout ce que je voulais, c'était cramer des trucs. Attends. Moi, tout ce que je voulais, c'était cramer des trucs. Une voix plus faible. Je voulais cramer des trucs, c'est tout. T'as cramé ma mère, enculé. Et ça brûle putain de bien. Oh mon dieu. Lui, qui a pas la vie, hein. C'est un taré. Il sait qu'il est déjà foutu. Là. Il attaque. Je me souviens encore de ses cris. De souffrance. Au secours, au secours. Myrti resserre sa main. Si quelqu'un a d'autres questions, ce serait le moment. À poil. C'est mec. Mais en vrai, non, on a notre prochaine cible. Ouais, alors, ouais. Ce que Nakai va faire, c'est qu'il va poser un genou devant Myrti, il va prendre sa main, la main de Myrti qui tient le connard de merde. Oh, et ils vont le faire à il deux. Va juste... Ouais, il va je veux le recruter. Tiens, non. Myrti qui carré Nakai, quoi. Il va juste te faire un sourire un peu de grand frère, puis il va serrer avec toi. Je vais dire, Salomon, il va dire, il essaye de te voler le kill. il me caresse. C'était Myrti le mien de base. Moi, je le cadet, bande d'enculés. Myrti qui sourit en même temps. Qui sert avant que Nakai puisse serrer. C'est mon kill, enculé.
Une sœur myrtille. Par contre, faut pas broyer le crâne, elle veut le garder. Oui, bah ça, de toute façon, faudra quand même qu'on le fasse identifier, quoi. Tu l'as sur le paillasson de la police. Grosso merdo, tu vas bien effectivement achever la souris. Un petit œil qui sortira de l'orbite au passage, qui s'éclatera contre une de ses, contre le verre de sa lunette d'aviateur. Ras, t'avais pas envie de lunettes? Elle sera un peu petite. Alors, non. Fourni avec un œil de verre. Non merci. Par contre, si tu veux que je te les fasse bouffer, vas-y, continue. On note combien de rations de ketchup dans notre inventaire? Bah là, pas grand chose, il est minuscule. Ouais, là, effectivement, pas énorme. Qui veut un méchoui? Bon, bon, il faut voir tout de suite. Moi, je propose qu'on sorte de cette forêt. Ouais, parce oui, quand même, suffisamment hein. En tout cas, Myrtille, pour que tu combles un de tes handicaps. Je me suis mouillé tout le corps, moi. Je suis du coup huilé. Suffisamment quoi? Suffisamment pour que tu puisses combler un de tes handicaps. J'ai pas compris le... En gros, je pense que tu peux enlever un de tes handicaps. Mais suffisamment quoi? De ketchup. Oh! J'ai le droit de retirer mon cnier? Non, je pensais pas ce... Non, là où... Sanguinaire. T'avais pas autre chose? Étranger, mauvais nageur, sanguinaire, rancunier. Ah, t'as retiré le truc de tu aimes le sang? Mais sanguinaire, c'était pas un handicap, ça. Mais t'avais... C'était peut-être pas un handicap, mais t'avais une manie, comme ça, de vouloir bouffer du sang. C'était une petite manie, mais ça lui est passé. Ok. Ça lui est passé parce que j'arrivais pas à le RP correctement. Ça marche. Bon, du coup, j'ai rien dit. Se lèche les doigts. S'il y a du sang qui coule, elle va le lécher parce que. Ok. Oui, Ras. Pendant notre chemin du retour, je vais retirer les doses de poison qu'il y a dans ma dague et je vais les remettre dedans. Ok. Je vais les remettre dans leur conteneur. J'ai tout foutu en l'air. Non, mais écoute, moi je m'étais préparé pour un combat long. T'as raccourci le combat. Ouais, bah donc, oui. On va pas mourir, moi ça me va. Pourquoi j'ai le poison sur les dagues sur un ennemi qu'on n'est pas supposé toucher? Je sais pas si. Moi j'imagine la situation Brutus avec son marteau et Nakai avec son merlin avec la souris, j'imagine la musique de Wii Sport qui va avec. Et là on envoie la boule de bowling en arrière. Oh, Là je pensais plus au tennis. Le moment qui roule. Oui. La tête. Enfin de l'air. En fait c'est ça le prochain personnage que je vais faire dans un TJDR, Ren. C'est un petit mec black avec juste un petit bouc. Mais qui a une force, mon gars. Ah oui, Matt Whisper. Ah ouais, oui, je vois. Oh, le Matt Whisper dans Ennis, il serait incroyable. Il y a toujours la musique de Whisper quand il agit. Bien. Vous ressortez de la forêt, vous commencez petit à petit à ressentir de l'air pur, à apprécier la fraîcheur de l'air. Moi, je suis bien là-bas. Salomon, tu crois que si je lui retire son crâne, on pourra toujours avoir la prime? Non. Oh. Je crois pas. Et puis même, de toute façon, il faut qu'on le vende aux mercenaires qui sont à côté plutôt que. Comment ça s'appelle là où on vend les corps des. Au bureau des primes. Ouais, c'est ça. Avant le bureau des primes, il faut mieux vendre les mercenaires parce qu'on peut pas y aller, nous. On peut pas y aller tous ensemble en étant un groupe, mais on peut y aller une personne. Bah on a nos têtes affichées, hein. À part le robot. C'est plus des portraits robots que des vrais portraits. Voilà, et puis les portraits robots, ils sont avec nos déguisements. C'est plus un signalement qu'un portrait. Ah ouais. On est quand même un groupe bien atypique, quoi, donc... Oui, donc y aller en groupe, c'est vrai que c'est pas la meilleure des idées. Ouais, voilà. Soit le vent mercenaire qui sont à côté, soit... Envoyez quelqu'un, on envoie récupérer le robot une partie de la prime. Ouais, on peut aller récupérer la... Myrtille a quand même envie de garder son crâne. Caillou Racin, on peut y aller aussi. Attendez, parce que Myrtille vient de dire quelque chose. Myrtille
Ah non, mais non, mais je garde son crâne, moi. Bon, elle ne veut pas donner le corps. Si tu donnes le crâne, on n'aura jamais la prime. Ça, je te le dis. C'est sûr et certain. Mais ouais, c'est toi qui vas, après, moi, je m'en fous. Elle aura sa satisfaction. Oui, voilà. Oui, oui. Au pire, Myrti, ce qu'on fait, je vais chercher la prime. Et je demande, en tant que chasseur de trophées, à garder le crâne. De toute façon, il est mort et c'est qu'un connard, ils en ont rien à foutre. Et puis, s'ils n'ont pas d'accord, bah, je les bute. Hmm. Est-ce que Myrtille a assez d'expérience avec la police en général, même de chez elle, pour savoir que c'est quelque chose qui serait possible ou pas? Difficile à dire pour toi, parce que les polices ne fonctionnent pas forcément partout pareil. Mais de chez elle, ça fait comment la police? Ça bouffe. Bon, peut-être pas non plus, mais non, c'est les œufs que ça bouffe, c'est pas les vivres. Ah oui, tout à fait. Donc oui, non, ça. Elle va décider de faire. Elle va regarder le capuchon dans les yeux. De toute façon, partout ça brûle les cadavres, donc. Ça crame bien. Je veux son crâne. J'essaierai de le récupérer. Elle donne le corps de la souris comme ça. Bah, j'irai à l'office de police pour récupérer la prime et demander à garder le cadavre. Après, il faut savoir aussi une chose et que je tiens quand même à rappeler, parce que c'est vrai que je ne vous le précise pas suffisamment. Il y a toujours un risque pour les cadavres, s'ils ne sont pas brûlés ou même tout simplement déchiquetés, totalement détruits, qu'ils reviennent à la vie sous forme de chimères. Et vous ne voulez pas avoir des chimères. Wow, ouais. On en a buté une en étant des gamins de 17 ans, 18 ans, donc je pense j'en ai mis un coup de boule. Ouais, bof, non. Ah, mais en vrai, si demande juste à récupérer la tête, ça. C'est une partie du squelette, ça passe ou pas? C'est des risques quand même que ça soit. Je dirais que je prendrais le risque. T'as vu combien de crânes il a autour du cou? Oui, mais ça, c'est pas des vrais. Oui, mais ils peuvent pas savoir. C'est pas diégétique, c'est juste pour la déco. Oh. Par contre, si j'ai un vrai crâne de morse, par contre, sur mon Merlin. Enfin, j'ai des crânes d'animaux sur mon Merlin. Ah, mais ça marche peut-être que sur les. Tu m'avais jamais dit ça, moi je t'aurais dit. Si, je te l'ai dit dès le début que mon Merlin il était comme sur l'image. Ça me dit quelque chose. Ah, je me souviens plus de l'image, mais. Avec l'encre et tout, là. Enfin l'encre et les ossements. Eh ben, on t'a vendu comme quoi c'est un vrai, mais c'est des faux parce que c'est dangereux. Ils ont fondu sous la chaleur de l'incendie. Ils étaient en plastique. Donc et littéralement, on n'a pas le droit d'avoir de crâne ou de trucs comme ça parce c'est que nous, on les reviennent à la vie. C'est pas que c'est pas. C'est pas que t'as pas le droit, c'est que c'est déconseillé. En fait, c'est qu'un nécromancien peut les utiliser. Non, c'est pas une question de nécromancie, c'est qu'il arrive que les cadavres se transforment en chimères. C'est même pas une question de nécromancie, c'est un fait réel qui fait que les cadavres sont contaminés entre guillemets par une autre âme, disons, qui a pas réussi à rejoindre la dimension. Mais non, mais j'ai envie de dire, si on garde que sa tête, qu'est-ce qu'il va faire? Parler? Non, ça parle pas, mais ça, en gros, ça mute. D'accord, donc il peut utiliser la magie pour pousser des membres en dehors du crâne et faire des trucs. C'est pas que de la magie, c'est vraiment des mutations qui sont propres à chaque chimère. Ouais, il peut être fait de feu, des trucs comme ça. En fait, c'est pour les explications plus concrètes, c'est une âme qui n'a pas réussi à rejoindre le royaume des morts, donc le royaume de Bassifel, le dieu de la prévie. Une âme qui cherche absolument à rejoindre une sorte d'endroit stable, elle va tenter de retourner dans un autre corps, même s'il ne lui appartient pas, sauf que ce corps n'est pas compatible, ça va créer des mutations. Le bail de vaisseau. Devient Death Stranding à la fin. Tu le veux toujours, Myrtille, ton cadavre? Tu vas avoir est-ce que Myrtille avait entendu parler de cette histoire de... Oui, parce que ça, c'est courant partout. Tout le monde en voit, c'est mondial. Ah d'accord. Du coup, elle fait... Ah oui, merde, non, je voudrais pas la revoir. C'est un risque. C'est pas obligatoire, ça reste rare, mais c'est possible. C'est quelque chose qui se passe souvent ou quelque chose qui est super rare mais qui arrive une fois tous les 10 ans? C'est quelque chose d'assez... c'est quelque chose de connu, mais qui reste quand même assez rare.
Ouais, on peut pas non plus prendre le risque pour le coup de devoir se taper un zombard sous stéroïde. Surtout aussi chiant à toucher. Oui. Putain. Merci. Chiant et beaucoup plus mortel. J'ai entendu l'histoire d'un gamin qui a mis un coup de boule à une chimère. Le gamin, il a mis le coup de boule à la chimère. S'il n'y avait pas sa petite amie impératrice qui lui a lancé des éclairs de foie, je pense que le gamin, il y passait. Oui, mais si on le fout dans un bijou, genre de la résine ou un truc comme ça. Ça le protège. Ah, tu penses. Ouais, non. On le met sous vide. Non, mais on le livre, allez, on perd pas de temps plus que ça, et puis voilà. Tu n'auras pas ton cadavre, t'es puni. T'as été une vilaine araignée. Prends une fiole de sang si tu veux garder du. En soi, si elle veut garder le cadavre, elle peut. Hein. J'ai juste mis les possibilités. Mais toi, tu fais chier avec trop Lorraine. Après, ça se passe pas après plusieurs années. Ouais. Enfin, je veux dire, il faut que le cadavre soit mort depuis pas mal de temps pour qu'il puisse avoir la chance de se transformer. Après, il est petit. Hein. Tu le mets dans une boîte, c'est bon. Toi qu'on va mettre dans une boîte. Tu mets dans le coffre de la voiture, là. Sous la roue de secours. Après, ce que tu peux faire, tu peux aller voir un taxidermiste et l'empailler. Ah, ça compte pas comme un cadavre. On se débarrasse de tout ce qui est vraiment susceptible de provoquer une transformation chimérique. Il est son ennemi. Mais c'est quoi qui est susceptible? C'est genre les os? Ça serait principalement les os, oui. Ah, Ren, je termine l'image de Nakai, fin de son Merlin. Bon, allez. Ouais, taxidermiser sa tête. Ok, bon, faudra juste payer un taxidermiste, mais ouais. Et surtout trouver quelqu'un qui accepterait de faire ça avec un humain. Il est petit, mais c'est un être humain, quoi. Ouais, non, ce serait. Bon, cela dit, je suis sûr que Katniss trouvera quelque chose. À Oberon, il y a forcément quelqu'un. À Oberon, il y a forcément un connard. J'empaille mes ennemis. À Oberon, oui, bon, on pourrait trouver. Donc. Nakai va tourner, dire au fait, je sors de prime, je vais le garder, taxidermisé ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, peut-être pas comme ça, mais je veux dire, ouais, je vais le garder, je vais m'en occuper, j'aime bien m'occuper de mes ennemis jusqu'au bout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Dire de garder que la tête, là, hein, c'est chelou. Vous auriez du scotch? Bien. Sur ce. Peut-être leur demander s'ils ont vu un Loenki aussi, on sait jamais. Ouais. Tiens, on a oublié de lui demander ça. Ah putain. Ah oui. Pas qu'il tombe dessus, hein. Sur ce, messieurs. Et là, en fait, il y avait que lui qui savait. Messieurs, on va mettre fin à la session. J'ai juste besoin de savoir ce que vous comptez faire pour la prochaine session. Moi, je te dirai ça demain parce que je commence à avoir mon somnifère qui fait essai. Ok. Tu es con aussi. prochaine session. Merci. Dieu. J'imagine que déjà on va recevoir la récompense et faire la fête. Et puis après. Vous allez livrer le Ménol du coup. Et récupérer quand même son cadavre ensuite. Ouais. Vous pourrez mettre un petit plus. Enfin. Ouais, un plus de chacun sur votre prochain jet de richesse. Notez-le. Et si on retourne sur la mer, je continue avec Rosie d'apprendre la magie. Après, il y a aussi l'objectif de libérer le peuple. Ouais, mais il faut retourner à l'Illuminéor pour ça, non? Il faut aller revoir. C'est vrai qu'on a. C'est sur votre chemin, dans tous les cas. Ouais. C'est vrai qu'on a ce nouvel objectif de libérer le pote qui. qui a mis race au tapis. Le pote vrai, qui quoi? Qui a mis race au tapis. Libérer Arnaud. Un mage aventurier là, un Glazar. Ah oui. Non, le Glazar, ça c'est Zosk. Encore autre chose. Oui, faudra choper des informations sur lui. Mm-hmm.
Allez voir à l'Unéor les gars pour essayer de savoir où ils sont, où est leur pote qui a été enfermé. Essayez de trouver un plan pour ça et si c'est sur le chemin et si on peut les aider. Quoi qu'il en soit, j'imagine qu'on pourra. Je vous invite à déjà voir quand est-ce qu'on pourra jouer la prochaine fois et avoir le tableau que. Moi j'ai déjà rempli. Oui, j'ai envie de dire normalement pas avant. L'année prochaine. Pas avant l'année prochaine. À moins que vous vouliez jouer ce samedi, mais. Bah ce samedi, non, il y en a qui peuvent pas. Et bah. Mais justement, prochaine. Je sais qu'il y en a qui ont pas tout rempli, mais sinon remplissez comme vous pouvez, sinon ouais, ça sera l'année prochaine. Moi j'ai enlevé une des dates parce qu'il y a une date où je pouvais pas. Sur ce, j'espère que la session lundi 18 la prochaine. Non et en vrai. Lundi 18, le prochain, je vois. En vrai, je peux vous faire un petit level up, au passage. Gentil, ça. Cool. Oh. Bah, level up, on verra ça une prochaine fois pour moi. Ouais. D'ailleurs, en passant à Guéry, maintenant. Ouais, c'est ça. Passer à Guéry. Vous passerez à Guéry. Je me demande si je vais pas prendre des trucs de bricolage avec Myrtille. Ou au moins travailler vers ça. Je vais me sourmute pour dire au revoir au chat. Et peut-être lundi 18, du coup, je vois qu'on est tous disponibles le lundi 18. Oui. Sur ce, messieurs, dames, j'espère que la session vous a plu et je vous dis à la prochaine, je ne sais pas encore quand, ça risque d'être pas avant un petit moment. De toute façon, on va peut-être se revoir entre deux parce que même si je ne fais pas le JDR, je ferai peut-être le stream, on verra bien. Et sur ce, c'était Rigodrôle. Bon, oui, c'était Rigodrôle. Je vous dis à la prochaine, les gens, et voilà. Ciao, ciao!